Nicolas. J'arrive, Robin. Bienvenue la team et Mélène 208 en ce vendredi 18 février 2022. Il est quasiment 21h dans quelques instants. On va faire un live très spécial ce soir et très intense. On va vous parler des Freeroute Airspace et de la validation des plans de vol IFPS. Bien sûr, pour vous parler de ça, on va pas être tout seul. On va être accompagné de deux contrôleurs aériens réels que je vais vous présenter dans d'ici quelques instants, puis il y aura un troisième invité en différé, il y aura un quatrième qui sera là avec nous, et puis on aura aussi pas mal de gens qui vont nous rejoindre. Alors bonjour à tous, malheureusement je peux pas écrire sur le chat, apparemment il y a un changement, etc. Donc je vais demander aux modérateurs. Ce soir il y a plein de choses, je vous explique comment la soirée va se dérouler. Il y a des modérateurs sur le chat qui sont Sylvain et puis Dodo, donc je vais leur demander de surveiller un petit peu les questions qui vont être posées à nos deux invités que je vais vous présenter d'ici quelques instants. Et puis pour faire cette émission, eh bien je suis pas tout seul, j'ai un co-présentateur et c'est Robin. Salut Robin. Salut Stéphane. Et c'est grâce à toi qu'on fait cette émission. Tu m'en as parlé, on était encore en 2021, c'était en décembre. Le 3 janvier, on a créé la bande-annonce que vous avez pu voir passer sur le Discord, évidemment, Twitch et puis sur la page Facebook. Et c'est grâce à toi, donc un grand merci à toi. Moi, je te dis oui tout de suite, bien évidemment. Et on va développer avec nos invités que je vous présente dans quelques instants, Freeroute Airspace et validation des plans de vol IFPS, évidemment, pour l'Europe, donc Eurocontrol. Mais je vais commencer un petit peu bizarrement. Je vais commencer par les remerciements, parce que je ne voudrais pas les oublier. Je voudrais remercier les quatre Discord amis qui ont fait de la pub pour nous ce soir. Le premier, eh bien, c'est cette VA, la Mirabel Airline, qui est certifiée sur le réseau IVAO. Donc, un grand merci à Dodo, son PDG, puis toi aussi, Robin, parce que je crois que tu es PDG de la Mirabel Airline. Donc, un grand merci à vous. Je remercie aussi D-Life FR. Il s'appelle Alexis. Vous le retrouverez souvent en tant que contrôleur sur Ajaccio Approche. Je remercie aussi le Discord de Imsona Flight avec Nicolas. Vous le retrouverez, lui, par contre, sur Montpellier Approche. Et puis, je remercie Gus Gamer Boy TV. C'est le nom de leur chaîne Twitch. Il s'appelle Guillaume. Et lui, par contre, vous propose des lives de pilotage. Voilà, il pilote des Airbus, des Boeing, etc. Il passe son PPL sur Biarritz. Moi, je laisse les modérateurs lire les messages. Je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas pourquoi. On verra ça prochainement. Donc, les modérateurs Sylvain et Dorian, vous répondez hein, s'il y a des gens qui nous disent bonjour, etc. Etc. Nos deux invités, un petit jingle et puis on va leur donner la parole dans quelques instants. Alors, pour parler de Freeroute Airspace et de validation de plans de vol IFPS, mais surtout de Freeroute Airspace, on va consacrer pas mal de temps, eh bien, il fallait des contrôleurs aériens, mais pas n'importe lesquels, il fallait des gens du monde réel. J'ai envie de dire que quotidiennement, ils travaillent depuis le 2 décembre avec ces Freeroute Airspace, et encore pas partout, mais ça, on va vous en parler tout au long de la soirée. Le premier, par ordre alphabétique, c'est Bastien. Bonsoir, Bastien. Bonsoir. Et Bastien, si je dis pas de bêtises, toi, tu es au centre de Bordeaux. Absolument, le centre en route de Bordeaux. Et là, on va en parler, tu vas voir tout à l'heure avec quelqu'un. J'espère que tu le connais. Tu me diras si tu le connais. Puis le deuxième, eh bien, c'est Romain. Lui, par contre, il est au centre de Reims. Bonsoir, Romain. Coucou. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va.
Ok. Ouais, pleine forme. Alors, l'actualité, elle est un petit peu bouleversée aujourd'hui. Il y a une grosse tempête qui s'appelle... Alors, je sais pas comment il faut la prononcer. Eunice, je sais pas comment vous la prononcez, vous. Bastien, comment... Vache foudelle. Comment faut la prononcer, cette tempête? Ils ont donné le nom Eunice. Eunice, je sais pas comment on prononce ni en français. Bastien, Romain. Ouais, Eunice ou un truc comme ça. Ah, Eunice. Je me suis pas trop renseigné. Oui, Perceval 44 dans le chat. Oui, mais j'aurais dit pareil que toi. Ah, Eunice, alors, en anglais. Alors, Eunice fait pas mal de dégâts dans tous les transports, aussi bien maritimes, ferroviaires, évidemment aéronautiques. Je vais vous passer une petite vidéo et on va poser quelques questions à nos contrôleurs aériens avant de rentrer dans le vif du sujet. 3 500 000 personnes, je crois, ont regardé une vidéo. Je vous en présente un petit extrait. Des vents qui ont soufflé à plus de 200 km/h dans le nord de l'Angleterre. C'est arrivé aussi en France. D'ailleurs, on est avec nous et on lui donnera la parole tout à l'heure. Romain, du nord de la France. Je crois que l'aéroport de Lille a été fermé pendant pas mal d'heures, etc. Donc, une grande pensée à vous pour tous les copains de la team qui sont dans le nord de la France. Alors, la première question que je vais vous poser, Bastien et Romain, un grand coup de chapeau déjà à tous vos collègues américains, qu'est-ce que je dis moi, anglais, ceux aussi de la France. Vous êtes préparés, vous avez fait l'ENAC, vous êtes préparés à des situations comme ça, parce que là on a vu des Go-Around qui s'enchaînaient. Comment vous êtes préparés à l'ENAC pour ce genre de situation qui est quand même pas quotidienne? Qui prend la parole, Bastien, Romain? J'ai envie de dire qu'on n'est pas préparé pour ça à l'ENAC. Ah, vous êtes... Ouais, on est préparé, on arrive en centre. C'est ça, on est préparé pour ça quand on est formé dans les centres, mais à l'ENAC, non, pas, ce genre de situation n'est pas du tout évoqué, quoi. C'est pas trop... Alors, là on pas, prend... Pas dans la portion, en tout cas. On prend vos collègues anglais, donc du coup, principalement Londres, là la vidéo c'est Londres sur Big Jet TV, il y a aussi Manchester. Un grand coup de chapeau à eux. Si ça devait vous arriver chez vous, que se passe-t-il dans vos centres? On appelle tout le monde, il y a du renfort, parce que ça doit être terrible quand même de gérer des situations pareilles. Alors bon, il va y avoir toujours des mesures de gestion des flux de trafic qui vont être prises, hein, donc ce qu'on connaît sous le nom de créneaux, de régulation. Voilà tous ces mots des fois un peu barbares. Donc ça, c'est des mesures qui sont prises au niveau de la gestion. Et en fait, ça a un seul but, c'est de nous protéger, nous les contrôleurs. L'objectif est de protéger les contrôleurs. Et donc en protégeant les contrôleurs, on protège évidemment les avions puisqu'on s'assure qu'ils pourront faire leur boulot dans de bonnes conditions et donc garantir la sécurité et l'efficacité. Ok, Romain, quelque chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire ton collègue Bastien? Non, t'as raison, enfin, c'est à peu près ce qu'il y a à dire. D'un point de vue préparation en amont, c'est ça. On va essayer aussi d'avoir du monde en salle le plus possible. Je pense notamment dans les tours, ils font en sorte d'avoir plus de monde pour assurer un roulement plus régulier et prendre des pauses, parce qu'il y a un moment, c'est quand même usant. Après, au niveau impact, nous, en CRNA du vent, tant qu'il n'y a pas des déroutements dans tous les sens, finalement, ça change des vitesses sol, ça change un peu les angles sur les conflits, mais c'est tout, quoi. Ok. Robin, le co-présentateur de cette émission, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui s'est malheureusement passé aujourd'hui, cette tempête Eunice, qui apparemment diminue, hein, d'après ce que j'ai pu lire sur les informations, ça diminue. Robin. Moi, la question que je pourrais poser, on a vu que ça s'est arrivé en Angleterre, du coup, mais est-ce qu'on a, dans un historique plus ou moins récent, des épisodes de vent très très fort comme ça qui seraient arrivés en France et qui auraient éventuellement posé des problèmes, que ce soit en termes de quantité de trafic ou quoi que ce soit? Probablement les différentes tempêtes qui se sont abattues sur la France avant. Ouais, j'allais dire souvent, même dans l'ouest de la France, on parle souvent hein, de la Bretagne ou de la Charente-Maritime, même de la Gironde, des fois où le vent souffle très fort avec des gros épisodes de pluie, des inondations. Oui, évidemment, pendant une courte durée, vraiment le pire moment, les aéroports et les avions sont impactés par la tempête. Mais il y a plein d'autres phénomènes hein, qui nous impactent. Hein. L'hiver dernier, on a été impacté par les températures très négatives
à haute altitude. Il y a des niveaux de croisière entiers qui étaient inutilisables parce qu'il faisait trop froid et que le carburant des avions ne résistait pas à un tel froid. Donc voilà, il y a plein de phénomènes. La tempête en fait partie et on a de la chance. La tempête, en général, c'est de courte durée. Ok, merci. Les modérateurs, je vous demanderai, dès que vous pouvez, de répondre aux gens. Et puis, si vous voyez des questions passer, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser les questions. Vous les notez. On va lancer dans quelques instants le sujet qui nous intéresse ce soir. On a un live assez intense. On va essayer de respecter aussi les horaires. On va parler de Freeroute Airspace et de validation de plan vol IFPS pour Eurocontrol. Et on va tout de suite partir avec une petite vidéo, les garçons. Regardez bien. Alors, je demande aussi aux deux intervenants de ce soir, Bastien et Romain, de temps en temps, augmenter le volume du live. Je vous demande évidemment de regarder là parce qu'il y aura pas mal de vidéos de quelqu'un que j'espère que vous le connaissez. Parce que si vous ne le connaissez pas, celui que je vais vous passer tout à l'heure, on n'a pas de copain avec vous. Regardez cette petite vidéo qu'on m'a envoyée. C'est extrait d'un film. Vous l'avez certainement tous vu. C'est Retour vers le futur. Merci à Dorian. C'est lui qui me l'a envoyé. Hey Doc, reculez un peu. La route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Voilà, on n'a pas besoin de route. Là, on va voir si c'est la réalité. Alors, Bastien et Romain, connaissez-vous le directeur de programme, justement, de ces Freeroute Airspace qui aujourd'hui travaille à la DSNA, la Direction Service National de la Navigation Aérienne, pardon. Connaissez-vous son nom? Alors, si le directeur à proprement parler, je ne suis pas sûr. Voilà, je ne sais pas qui exactement il s'agit. En tout cas, pour la partie bordelaise, oui, je sais très clairement de qui il s'agit. Romain, est-ce que tu as une idée du directeur de ce fameux programme Freeroute Airspace qui aujourd'hui travaille à la direction du service de la navigation aérienne? Absolument pas. Absolument pas. Alors, peut-être que vous l'avez croisé, je ne sais pas, c'est un ancien de chez vous, bien évidemment. Regardez, je vous passe une première vidéo. Il va se présenter et peut-être que son nom va vous dire quelque chose. Très bien, donc je m'appelle René Pillier. À la parole. Je suis contrôleur aérien donc, de formation. J'ai travaillé dans plusieurs grands centres de la navigation aérienne en route et approche. Et je travaille maintenant à la direction des services de la navigation aérienne, à la direction, entre autres, du programme de mise en œuvre du Freeroute à la DSN. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez son nom? Non, toujours pas. Si je vous dis non, René, du tout. Si je vous dis René, ça vous parle? Non. Si je vous dis non, René Feillet, ça vous parle pas non plus? Toujours pas. Toujours pas. Eh bien, c'est lui, donc un ancien ingénieur ENAC comme vous, et puis maintenant directeur du programme Freeroute Airspace. Alors, les Freeroute Airspace, lancés le 2 décembre 2021 en France, comment on vous a amené là-dessus, vous, les contrôleurs aériens? Parce que vous avez fait l'ENAC il y a quelques années. Bastien, tu as fait l'ENAC de quelle année à quelle année? J'ai fait l'ENAC de 2018 à 2019. Et toi, Romain? Vous n'êtes pas de la même promo, je crois. Hein. Non, mais 2018, t'es rentré en 2018 aussi? Ok. Ouais, enfin moi je suis rentré en 2018 et j'ai été affecté début 2020. Ouais. Est-ce que lors de votre formation, vous en parlez déjà, parce que bon, vous allez voir tout à l'heure d'autres interviews de René Feillet, c'était dans les cartons il y a quand même quelques années. Est-ce que vous en parlez lors de votre formation ou pas du tout? Oui, de façon théorique. Ouais, c'est, voilà. C'est abordé dans les cours, notamment les premiers cours hein, qui sont édités par les par l'Europe en fait. Enfin, c'est un programme commun pour des blocs de pays dans l'Europe. Et là, on en parle beaucoup. Après, en CIMU, ce n'était pas encore implémenté. Dans les phases CIMU, on n'avait pas de Freeroute. D'accord. Et alors, vous qui êtes en poste actuellement, donc Bastien sur Bordeaux et toi, Romain sur Reims,
Donc un jour, dans votre casier, vous trouvez peut-être une note de service. Comment on vous a amené vers Seyfried? Comment vous l'avez appris? Parce que ça a dû changer votre travail. On va en parler tout au long de la soirée, bien évidemment. Alors, nous, c'est arrivé sous plusieurs formes. Alors déjà, sous la forme des conversations, parce qu'on savait que ça allait arriver. On nous disait, tiens, le free route, voilà. Ensuite, autre raison, la personne qui l'a mis en place chez nous a fait énormément pour ce programme, a vraiment été, c'est un boulot démesuré. Et franchement, tout s'est déroulé sans accroc, en tout cas visible du côté contrôle. Donc, déjà chapeau à lui. Et ensuite, non, on a eu pour la transition des briefings obligatoires. Donc, trois briefings qui sont donc comme des conférences, si on veut, données par les personnes responsables du programme au contrôleur dans une salle dédiée. Et donc, le but, on fait une petite signature à la fin dans un carnet et on valide en fait notre présence. Et donc, on certifie qu'on pourra travailler avec. C'est ça qui était obligatoire. D'accord. Alors, pardon, mon petit Robin, mon co-présentateur, vas-y, je te laisse la parole. As-tu des questions à poser sur cette première partie à Bastien et à Romain? Je veux juste poursuivre un peu ce que tu disais, Stéphane. C'est vrai qu'on en entend parler depuis quelques années, un petit peu, c'était un peu dans les cartons. Mais est-ce que quand vous étiez à l'ENAC, vous attendiez à avoir une arrivée si rapide de ce genre de technologie? Est-ce que vous envisagiez que vos méthodes de travail allaient changer si rapidement au final? On peut vraiment dire que c'était si rapide que ça. Ouais, j'étais en train de C'est me poser la même question. Alors, c'est arrivé vite, effectivement, proportionnellement à notre arrivée dans le centre, en fait. On va plutôt le dire comme ça. C'est arrivé quand même assez vite, mais la mise en place, c'est comme tout, en fait, quand on touche à des systèmes de la navigation aérienne, la mise en place est extrêmement longue. Donc, finalement, c'est arrivé. Le free route, en fait, ça change pas grand-chose d'un point de vue opérationnel. Nous, ce dont on nous a parlé à l'ENAC, c'est surtout les avancements ultérieurs sur la navigation aérienne. Donc, bon, a priori, on n'y est pas encore. Mais Romain, en est plus proche que moi. Et puisque ça, dans ce cas-là, ça a mis du temps à se mettre en place, à se stabiliser, à se former, cette histoire de frein, pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si complexe au final? Parce que on pourrait penser que c'est une forme de simplification qui pourrait être assez rapide de retirer des routes au final. Pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps? Que le réseau de route actuel, moi je dis actuel parce que chez moi on n'est pas en frein encore à ça, mais le réseau de route il est quand même pas mal fait de manière globale, c'est-à-dire que si on touche à rien, les avions sont de manière globale à peu près séparés les uns des autres, moyennant certains cas que le contrôleur doit régler, mais il facilite quand même pas mal la tâche, c'est-à-dire que les départs Paris vont être séparés de trafic stable par exemple, les sorties qui vont plus vers le nord vont sortir sur tel point, les sorties qui vont plus vers le sud vont aller sur tel autre, enfin tout ça c'est simplifié de manière à ce que quand il n'y a plus rien, quand on commence à galérer et qu'il y a du monde et qu'on essaie de se rattraper aux branches, on ait un système solide et carré sur lequel se rattraper. Le fait d'enlever les routes, pour l'instant, il fallait qu'on trouve un moyen pour que les contrôleurs continuent à pouvoir se rattraper à quelque chose. Donc on y reviendra sans doute, hein, mais grosso modo, on a créé un système avec des points de contournement de zone militaire, avec des points stratégiques, et Free Route Airspace ne veut pas dire tout droit à travers tout. Mais ça prend du temps à mettre en place. Voilà, et vous verrez tout à l'heure d'ailleurs l'avis de René Feillet qui était contre au départ de ça, qui n'y croyait pas du tout. Et d'ailleurs, il vous dira dans une vidéo qu'on regardera que le terme Free Route Airspace en anglais, tout comme en français, je ne sais pas comment il faut appeler ces cheminements libres, c'est comment le terme français pour traduire Free Route Airspace, les contrôleurs? Je sais pas. Ah, je sais pas. Vous savez pas? Bon, bref. Non. Je sais plus non plus. Je Alors, sais celui plus. qui a été utilisé par Evao France, en tout cas, c'est espace de cheminement libre. Ah oui, c'est ça, espace de cheminement. Espace, et bah vous verrez qu'il vous dira qu'en Route sans réalité, péage. c'est pas forcément le bon terme. Route sans péage, ça c'est pas mal, j'aime bien Sylvain. On va poser la question à Kevin. Kevin qui lui vient d'intégrer l'ENAC depuis novembre 2021.
Les free routes ont été mises en place le 2 décembre. Est-ce que Kevin, toi, dans ta formation actuelle par rapport à Bastien et à Romain, est-ce qu'on vous en parle de ces free routes ? Alors, nous, très peu, mais on nous a déjà prévenu qu'on en parlerait plus que ce qu'ont pu voir Bastien et Romain, puisque étant donné que nous, on est à l'école et c'est déjà applicable, on va en voir un peu plus. Mais, comme disait Romain, ils s'en tiennent beaucoup à ce bloc européen de cours communs, là, et pour l'instant, ça n'y figure pas du tout. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas du tout sur le programme de ce bloc européen. Ok, merci Kevin, on te redonnera la parole bien évidemment tout à l'heure. Alors, je vois que avec nous dans Discord, et un grand merci à vous, on a aussi Dorian et Stéphane, elle. Est-ce que vous avez une question comme ça à poser sur cette première partie sur les free routes airspace? Dorian ou Stéphane, à vous la parole. Si vous vous démutez, bien évidemment. Si vous ne vous démutez pas, ça va être compliqué de poser la question. Oui, bonsoir, je suis démuté. Salut Dorian. Salut. Petite question pratique, peut-être que ça veut dire plus tard, est-ce qu'il y a un planning de déploiement du FRA? Parce que pour l'instant, il y a Bordeaux et Brest, est-ce qu'il y a d'autres CRNA qui sont concernés, et si oui, quand? Je veux bien nuancer et dire que c'est pas tout Brest qui est en free route pour l'instant. C'est seulement une partie de leur secteur. Et moi, je complète Dodo que dans la vidéo numéro 7, je l'appelais comme ça, on verra toutes les prochaines vagues. On va aller jusqu'en 2025. On ira même beaucoup plus loin avec ces FRA. Apparemment, selon René Feuillet, c'est pas si évident que ça. Et vous verrez une vidéo, alors Bordeaux évidemment a été mis en place, Sébastien pourra réagir bien évidemment, il y a Brest aussi, on comprendra pourquoi Brest est plus facile que Bordeaux, et puis on verra Paris, et là il n'est pas toujours très tendre avec Paris, mais je vous en dis pas plus. Alors, le principe des FRA, qu'est-ce que c'est? On pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est les principes des FRA? Eh bien voici la réponse donnée par le directeur du programme des Free Route Airspace, monsieur René Feuillet. Alors, les quelques principes de base hein, de Free Route et du FUA, pour faire très simple, c'est qu'est-ce que c'est qu'un espace Free Route? C'est un volume d'espace où il y a des règles spécifiques de planification. C'est-à-dire que le Free Route ne s'adresse qu'à la question de la planification des routes pour les IFR. J'entends bien, hein, on ne parle pas d'aviation légère. On décrit dans ce volume des points d'entrée qui sont codés E, des points de sortie qui sont codés X. Alors, on verra une petite illustration après. Hein. Des points intermédiaires pour les survols. Des points intermédiaires parce qu'on peut avoir besoin de points intermédiaires pour planifier un changement de niveau, par exemple. Hein, si sur un vol, le calcul d'emport prévoit un changement de niveau en plein milieu d'un espace free route, si on n'a pas de point intermédiaire pour accrocher le changement de niveau dans le plan de vol, on ne peut pas le faire. Un point intermédiaire peut être nécessaire aussi pour contourner une zone militaire active. Il faut décrire un certain nombre de points intermédiaires pour répondre à l'ensemble des besoins. Ça peut être aussi un besoin de l'ATC, de déclarer un point intermédiaire obligatoire de façon à maîtriser l'orientation des flux, éviter que tout le monde passe dans le même secteur qui serait surchargé. Donc, ça peut être pour des besoins de l'opérateur aérien, mais évidemment aussi pour des besoins de l'ATC pour maîtriser les flux. Et des points de connexion d'arrivée et départ des terrains proches ou situés juste en dessous d'un espace free route. Donc, A pour arrivée, D pour départ. Là aussi, pour permettre une bonne connectivité des plans de vol, mais aussi pour organiser le trafic. Hein, à partir du moment où on est sur des aérodromes relativement importants avec des flux conséquents, on va orienter quand même le trafic via des points d'arrivée pour quitter le free route qui ne sont pas forcément exactement en face des points de départ. Sur les petits terrains, ce sont des points qui pourront être arrivés et départ, mais vis-à-vis de plateformes plus importantes, évidemment, il y aura une ségrégation. Encore une fois, le terme free route, je vais peut-être le dire ici, l'appellation, je pense qu'elle a dû être trouvée plus par un lobbyiste que par un ingénieur ou un technicien.
le free route n'est free, n'est libre, que pour autant qu'on puisse le permettre pour pouvoir assurer et la sécurité et la capacité des systèmes de contrôle. Alors, le degré de liberté laissé, quand on parle d'espace très vaste et très peu fréquenté, par exemple dans l'extrême nord de l'Europe, au nord de la Norvège, évidemment là, vous aurez très peu de contraintes. Donc, le degré de liberté, l'espace free route sera en effet très libre. Quand on est en plein centre de l'Europe, là où la densité de vol est très importante et où on a besoin de maîtriser les flux, de savoir dans quel secteur ils vont passer, forcément, le degré de liberté n'est pas du tout le même. Donc, le terme free route est une appellation qui pourrait être trompeuse. On peut faire du free route pas free du tout, ou très, très libre, selon, je dirais, la situation géographique et aussi l'état de sophistication des systèmes ATM, des outils que l'on donne aux contrôleurs et pour gérer le trafic. Voilà. C'est ce petit point. On a des points d'entrée intermédiaires et de connexion arrivée-départ. Et on a un catalogue de règles d'utilisation de ces points qui se trouvent dans le RAD. Le RAD, hein, c'est le Route Availability Document. C'est un document édité par Eurocontrol tous les 28 jours, comme les AIP nationaux, mais qui compile les restrictions d'utilisation à l'échelle européenne. Voilà, alors un commentaire là-dessus, vous avez vu, il a dit les free routes, c'est pas forcément free route. Bastien et Romain, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que le terme free route n'est pas un petit peu galvaudé, on va dire? Oh, il est même complètement usurpé. Usurpé. En France, en tout cas, c'est exactement ce qu'il décrit, c'est super clair ce qu'il dit, c'est que la possibilité de faire du vrai free route, comme on pourrait l'imaginer quand on entend le mot pour la première fois, est ultra dépendante de la complexité de l'espace aérien et de sa charge. Et du coup, nous, en France, on ne peut absolument pas fournir un tout droit d'un point à l'autre du pays, pour l'instant en tout cas. Bastien, tu partages le même avis que ton collègue ? Bah, totalement, parce qu'en fait, c'est illusoire de penser que parce qu'on fait du free route, on aurait un espace aérien qui est libre. Puisque, en fait, par définition, l'espace aérien en lui-même n'est pas libre. Nous, à Bordeaux, on a la problématique des zones militaires. On a énormément de zones militaires qui viennent s'intégrer dans notre espace aérien. Et donc, en fait, bah, vouloir vendre aux civils que l'espace aérien est libre, en fait, c'est faux. Parce que déjà, par nature, par notre cohabitation avec les militaires, il n'est jamais libre. Donc, en fait, c'est juste un habillage qu'on fait. Finalement, qu'est-ce qu'on veut plus? On veut plus avoir de traits sur une carte avec une route qui porte un numéro. On remplace ça par des trajectoires, du coup, qui sont plus publiées, on va dire, avec un nom posé dessus, mais qui en fait existent. Et les mêmes contraintes qu'on avait avant sont toujours présentes parce que les contraintes avec les centres adjacents n'ont pas changé. Les contraintes sur les régulations qu'on doit faire, notamment pour les arrivées, je dis n'importe quoi, les arrivées Barcelone, les arrivées Orly, les arrivées Roissy, n'ont pas changé non plus, et parce que les militaires, eux non plus, n'ont pas changé leur zone, ils sont toujours là et on a toujours besoin de les contourner. Ok, on verra une vidéo par rapport à ce que Bastien vient de nous expliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir? Robin, tiens, mon petit co-présentateur, est-ce que tu as des questions sur ce que tu viens d'entendre de la part de René Feuillet? Je rappelle, c'est le directeur du programme Free Route Airspace en France. Moi, j'aimerais bien qu'on me clarifie un petit point, et je pense que certains se posent peut-être la question dans le live. Globalement, qu'est-ce que c'est la planification dont parle René Feuillet? Qu'est-ce que ça englobe comme concept, cette planification? La planification des routes... j'ai bugué sur autre chose. ça englobe un bon paquet de concepts, notamment la validation par Eurocontrol de ta route, pour qu'elle corresponde à tout un paquet de contraintes, qu'elles soient militaires, qu'elles soient ATC, qu'elle soit logique, tout simplement. Il y a un moment, un avion qui va sur un aéroport proche va devoir descendre. Ça va être des contraintes également de charge de secteur, donc ça rejoint un peu l'ATC, mais ça va être tout ce qui est régule, tout ce qui est créneau dont parlait Bastien tout à l'heure. Et tous ces principes-là vont être vérifiés pour chaque plan de vol, enfin pour chaque plan de vol en Europe en tout cas, par Eurocontrol.
Après, je sais pas, Sébastien, tu as des trucs en plus à rajouter dessus, mais... Ouais, bah, en fait, la planification... quand on parle de planification, c'était ta question, Robin, au niveau terminologie, il faudra surtout comprendre par là que ça concerne les compagnies aériennes. Voilà. C'est quand on dit ça concerne la planification, sous-entendu, ça ne concerne pas le contrôle. C'est surtout les compagnies. Merci. Donc, vas-y, Robin. Vas-y. Et donc, toutes ces histoires de Free Route Airspace, puisque ça a une influence majeure sur la planification, on peut penser que ça a un impact plus grand pour les compagnies aériennes, peut-être les pilotes, et moins pour les ATC, du coup. C'est clair que les ATC ont un impact qui est clairement moindre là-dedans. C'est eux les moins impactés. Et finalement, j'ai envie de dire, les pilotes sont très peu impactés aussi, en fait. Mis à part que dans leur gestion de vol, il y a moins de points le long de la route et qu'on rentre plus des noms de route, mais qu'on rentre simplement des points en direct. Voilà, finalement, c'est l'entre-deux, en fait. C'est ceux qui ne sont pas directement en l'air ou en train de contrôler, c'est la planification. C'est eux qui ont les plus gros changements, c'est clair, parce que du coup, toute la logique de construction des routes, elle change. Le catalogue de routes change aussi. Donc, on a pas mal de changements chez eux, même si, grosso modo, les contraintes sur les points de sortie, s'ils s'y intéressent un peu, ils verront que rien n'a changé. Là où nous, ATC, on risque d'être concernés, c'est si jamais c'est mal fait ou qu'on a raté des contraintes sur tel ou tel point et qu'au passage en Free Route Airspace, on se retrouve avec des avions qui font des profils totalement improbables. Parce que ça passe à la planification, mais en tactique, on ne s'y attend pas du tout et on se retrouve avec des avions super hauts qui doivent perdre 10 000 pieds en 60 nautiques en croisant un autre flux, enfin... C'est là où on risque d'être impacté. Mais si c'est bien fait, finalement, pour nous, c'est assez transparent. Ouais. Ok, il y a deux questions. Je vais juste lire. Vas-y. Ah bah vas-y. Oui, deux questions que je vois dans le chat. De la part de N Dumoulin 54, vous le connaissez, on a fait un live avec lui, c'est Norman, pilote PPL, et puis il est en train de passer son ATPL. Alors lui, il écrit tout en abrégé, tout en aéronautique. Comme ça, on est tranquille. Donc, on va demander un peu le contrôleur de nous traduire tout ça dans la langue de Molière. Il vous pose une question. Donc, fini les MOCA, MORA et MEA. Ben, moi, je laisse Bastien et Romain répondre. Oh. Alors, Free Route Airspace, fini les MOCA, les MORA, les MEA. Oh, MOCA, déjà, sûr que non. Parce que obstacle clearance altitude, il y a un moment, les obstacles ils sont toujours au même endroit, donc si on passe tout droit à travers une montagne, on risque fort de faire la première des infos. Ouais, on est d'accord. Après le reste, non, toutes les façons, hein, de manière globale, toutes ces altitudes là restent intouchées, parce que le FRA concerne, c'est ce qui a été répondu en dessous, principalement le supérieur. C'est pas des choses qu'on verra, et Stéphane, dans la vidéo qu'il a passée, on a vu les points de rejointe de départ et d'arrivée pour les aérodromes. Basiquement, tout ce qui se fait sur les CID et les STAR reste pour l'instant à toucher. Quoi. Ok. Voilà. Question de Volarium, notre ami Nicolas, qu'on retrouvera prochainement et pour les lives. J'y ai répondu aussi. Je suis en train de courir après le chat. Mais je vois, vous êtes super les garçons. Un grand merci à vous. Mais on va répondre à ceux qui nous regardent. Il y a quand même 24. Un grand merci à vous. Puis je voudrais remercier, j'ai oublié tout à l'heure, le site pilote-virtuel.com, un site que je vous en parle très souvent. Allez sur ce site pour la simulation, mais aussi pour le monde réel. Voilà, pilote-virtuel.com. Un grand merci à eux, parce que j'ai fait de la pub et qu'il y a quand même plus d'une centaine de personnes qui ont vu le message. Est-ce que les FRA... Est-ce que les FRA vous font changer vos méthodes de travail côté ATC, Romain, Bastien? Alors, côté ATC, oui, effectivement... On peut se poser la question, c'est légitime, mais comme j'ai répondu à Nico dans le chat, non, c'est au niveau méthodologique, il n'y a absolument rien qui change. On va avoir des petites subtilités techniques, des petits détails, des choses qui vont évoluer, où il va falloir s'y prendre différemment. Mais non, en fait, on n'a vraiment pas de changement de méthode de travail avec le FRA. Il y a plutôt un certain nombre de points, on va dire, où il faut avoir une certaine conscience. C'est-à-dire, faut avoir conscience que quelque chose a changé sans que ça ait réellement un impact pour nous. Alors, juste une question avant de redonner la parole à mon co-présentateur, c'est Robin
C'est grâce à lui qu'on a cette émission. Aujourd'hui, c'est plus facile pour vous de travailler, enfin, surtout toi, Bastien, puisque tu es confronté au frein, et on verra tout à l'heure dans la vidéo numéro 5, il nous en parlera, René Feillet, le directeur du programme de, des Freewood Airspace. C'est plus facile pour toi ou c'est ou tu as perdu une, on va dire, une zone de confort que tu avais avant quand les Freewood Airspace n'existaient pas en France hein. Ah non, strictement rien perdu. Non, c'est... Puis j'ai envie de dire, c'est à la lettre ce qu'on nous avait vendu, finalement. On nous avait dit, voilà, il n'y aura pas de réel changement côté contrôle, il y aura ça comme différence. Voilà, je veux dire, c'est à la lettre ce qu'on nous avait vendu. La conséquence opérationnelle la plus notable, c'est que comme on a moins de points dans une route et qu'on essaye, par exemple, de filer la route directe qui va bien pour aller tangenter une zone militaire... Comme on n'a plus autant de points, ben on n'arrivera jamais à la tangenter. Donc ça, c'est l'impact le plus réel. Donc en fait, on est plus souvent amené à filer des caps. Okay. Mais en fait, quand on a le compas, quand on a le compas dans l'œil et qu'on arrive à tirer un cap proprement en tenant compte du vent, finalement, c'est pareil. Robin, à toi. Alors, si tu le permets, mon cher présentateur, j'aimerais bien qu'on fasse une parenthèse très rapide concernant IVAO. Mais moi, je le permets parce que je sais que ça m'intéresse et que ça doit intéresser bien d'autres personnes. Quel impact est-ce que ça pourrait avoir le FRA sur IVAO ? Alors, de manière primaire, je dirais pour les utilisateurs, parce que IVAO, c'est quand même un excellent endroit pour débuter, pour apprendre, pour prendre ses marques, etc. Donc, moi, le problème que j'y verrais, c'est que pour un public non averti, passez-moi l'expression, ça va surtout faire chier le monde, initialement. Parce qu'en fait, les gens vont... Ils essayaient de s'accrocher à quelque chose, et là, plus personne ne comprend plus rien à ce qui se passe. Donc, ouais, ça va... On va dire que l'évolution, elle est là, dans un premier temps. Après, je pense que sur IVAO, voilà, on fonctionne avec des systèmes d'instruction via des sites internet, il y a des trainings, il y a des conférences, des choses qui sont faites. A priori, on va aller, tout comme pour les routes, on va aller vers la compréhension globale du principe. Et voilà, je pense que c'est juste une évolution qui va peut-être prendre un peu plus de temps que dans le réel. Mais voilà, ça va pas changer. Finalement, oui, sur IVAO, c'est pas non plus une nouveauté qu'on ait régulièrement des trafics qui ont planifié des routes qui sont fausses, hein, pour plein de raisons. Et mis à part que le FRA les encourage encore plus à faire des directs à travers tout, ça va pas changer grand-chose sur le fait qu'on a des trafics récurrents avec des routes fausses. C'est à peu près tout ce que ça va changer. Ok, est-ce que quelqu'un dans le Discord qui est avec nous souhaite poser une question avant qu'on passe à la prochaine vidéo ? Parce qu'on va voir avec René Feillet, en réalité, ce qui ne change pas avec le Freewood Airspace par rapport à l'avant Freewood Airspace. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à Bastien, Romain et Kevin aussi qui est en formation ENAC en ce moment ? Sylvain, Dorian... Stéphane, elle aussi, si vous avez envie de poser une question. Non ? Personne ne veut poser de question ? On va voir justement ce qui ne change pas. Et dans le chat, si vous avez envie de poser des questions, n'hésitez pas. Tiens, il y a Norman, notre mécanicien aéronautique avec qui on a fait un live. Est-il possible de descendre depuis une Freewood Airspace en supérieur sur une route inférieure et vice et versa ? Oui. Oui, voilà, il y a des points de rejointe qui sont faits pour... C'est ça. Donc Stéphane vient de parler au moment où j'étais en train de répondre. Donc s'il faut réexpliquer ça succinctement, il faut bien s'imaginer une cellule FRA, c'est un bloc 3D. C'est un bloc 3D dans lequel on a des conditions d'entrée, des conditions de sortie et des règles de circulation. L'entrée, elle peut se faire classiquement avec un avion qui est stable par les murs. Nous, on appelle ça par les murs, donc c'est-à-dire via... via par exemple un point d'entrée, l'avion est en croisière au 390 et voilà, il a un point de sortie et puis il est sur sa trajectoire. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, il va falloir aussi voir la connectivité avec ce qui se passe en dessous, parce que notre cellule FRA, eh ben, elle a un plancher au 195. Et donc, il y a des avions, on s'imagine bien, qui ont des terrains de départ qui sont situés sous la cellule FRA, qui, eux, par contre, vont avoir besoin de pénétrer dans la cellule FRA, non pas par les murs, mais par le dessous. Et donc, on a des points qui sont des points d'entrée sur des aérodromes de départ ou d'arrivée aussi, ça peut être des points de sortie, hein, dans cette cellule. Et donc, on va dire qu'on a une certaine perméabilité
entre l'inférieur non-FRA et le supérieur qui est en FRA. Donc là, c'est vraiment un jeu de planification à trouver. Il y a un deuxième aspect à la question que vient de poser N du Moulin 54. C'est surtout, en dehors de la planification, si jamais, mettons, on a un avion, un bimoteur léger, légèrement pressurisé, qui est en croisière au niveau 210, et qui rencontre de la turbulence ou bien du givrage et souhaite descendre au 190. Là, évidemment, dès qu'on sort du contexte de la planification, Robin avait bien insisté sur le terme tout à l'heure, dès qu'on sort de ce cadre, on est totalement libre. C'est-à-dire que, évidemment, il va pouvoir descendre sans aucun problème avec une clairance de contrôle, ça va prendre 10 secondes. C'est surtout pour la planification, et de la planification va en découler ensuite les calculs de capacité des secteurs, les régulations éventuelles, etc. Mais ensuite, en live, on va toujours pouvoir régler des problèmes et il n'y aura aucune forme d'imperméabilité entre l'inférieur et le supérieur par l'existence de la cellule frein. Merci Bastien pour toutes ces explications et N du Moulin 54, c'est Norman. On a fait un live avec lui, notre mécanicien aéronautique. Il travaille sur l'ERJ 170 et l'ERJ 190. Il le connaît mieux que sa poche. Je vois passer des messages. Je voudrais accueillir D-Life, Discord ami qui nous a fait de la pub pour le live de ce soir et qui contrôle très régulièrement. Ajaccio approche, on fera un live avec lui parce que lui, il a passé toutes ses licences aux États-Unis, il fait tout convertir aujourd'hui en Europe. Il a accepté de faire un live avec nous. Ça sera, je pense, mars ou avril. Voilà, les modérateurs, répondez parce que moi, je peux pas écrire. Donc, il y a quelqu'un qui vient de follower la chaîne. Malheureusement, je peux pas répondre. Donc, Sylvain et Dorian, faites un petit peu votre boulot, hein, parce que quand même. Ça coûte des sous. Qu'est-ce qui change pas avec les Free Route? Voici la réponse de René Feuillet, c'est le directeur du programme Free Route Airspace en France. Ce qui ne change pas. Alors, qu'est-ce qui ne change pas quand on met en œuvre de l'espace Free Route? Alors, ce qui ne change pas, déjà, c'est important à comprendre. On reste sur les mêmes classes d'espace, sur le service ATC rendu, contrôle, info, alerte. La façon de rendre le service du contrôle, c'est toujours la même chose. Et le partage des responsabilités sol et bord reste le même. Le respect des clairances par le pilote. Ce n'est pas parce qu'on est dans un espace free-route que le pilote a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut. Il a exactement les mêmes restrictions que dans un espace normal, et en particulier le respect du plan de vol. La différence, c'est que dans un espace free-route, les règles et les possibilités de planification de route sont généralement plus larges. Mais une fois qu'il a planifié sa route et déposé son plan de vol, ou plutôt généralement ses opérations, il a la même obligation qu'en espace classique de suivre son plan de vol. Et s'il veut s'en écarter, il doit demander une clairance à l'ATC et elle lui est donnée ou pas. Donc, en fait, on ne change pas la façon de contrôler, c'est simplement on offre plus de possibilités de planification en route directe. C'est ça qui est important, c'est uniquement l'aspect planification. Évidemment, on va avoir des aspects techniques dans nos systèmes techniques pour être capable de gérer cette multitude de nouvelles possibilités de planification en route directe. Et le service en lui-même est rendu de la même façon. Et ensuite, qu'est-ce qui ne change pas forcément? Les limites de centre, les limites de secteur, les points d'entrée et de sortie des centres et la façon générale d'orienter les flux. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on met en œuvre du free route airspace un jour qu'on libéralise totalement les possibilités. Il faut pouvoir continuer à maîtriser les flux, parce que si on autorise des flux qui passent exactement sur des limites entre deux secteurs ou entre deux centres, on voit bien immédiatement la difficulté de gestion des conflits, qui doit gérer le conflit, qui doit avoir l'avion en fréquence. Ce n'est pas possible, donc on ne va pas tout autoriser. Alors, qui veut réagir à ce que vient de dire René Feuillet? Je rappelle que c'est le directeur du programme Free Route Airspace en France. C'est compliqué quand on l'écoute hein, quand même, parce que ça a l'air d'être libre le free route airspace, puis on se rend bien compte qu'en réalité c'est pas si libre que ça, on change pas grand chose. Qui veut réagir? Mon co-présentateur Robin, Romain, les contrôleurs aériens, Sylvain, Dorian, Kevin et Stéphane. Robin, t'es là? Oui, je suis là. Et ben vas-y, à toi la parole. Je voudrais juste voler la parole à personne. Ah ben, tu ne voles rien, tu co-présentes, tu ne voles rien. Eh ben, dans ce cas-là, mais moi j'ai une question. Pourquoi on a l'impression que le frein, ça change rien au final, quand on voit tout ça?
Pourquoi est-ce qu'il y a une telle euphorie pour amener le FRA avec tant de discussions à ce sujet qu'on voit un peu passer sur des forums, sur des vidéos, etc., comme celle qu'on est en train de voir? Pourquoi est-ce qu'il y a tout un mouvement autour du FRA si, visiblement, ça change rien? Eh ben parce qu'il est obligatoire. Oui, bon. C'est... Eh ben oui, voilà. C'est la dure réalité des choses. Et question suivante. Est-ce que tu peux développer parce qu'il est obligatoire, Bastien? Eh oui, parce qu'il fait partie du programme global d'avancement des espaces aériens et du contrôle aérien, d'ailleurs, du monde aéronautique en Europe. Le FRA fait partie des objectifs et c'est un objectif à remplir. Et comment est-ce qu'on s'assure qu'il soit rempli? Eh ben, on met des amendes aux pays qui ne remplissent pas l'objectif. Donc, voilà. Après, pour aller sur une note un peu plus positive, l'objectif à long terme du FRA en France, c'est quand même de faire une seule grande cellule FRA qui permettrait cette fois-ci vraiment d'améliorer les routes et tout. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'a ni le FRA partout en France, ni les outils qui permettent de le faire, ni le recul et l'expérience qui permettent de le faire. Typiquement, moi à Reims avec mes strips papier, pour encore quelques mois, je serais incapable de gérer un FRA total où les mecs passent tout droit ou rentrent par n'importe où et sortent par n'importe où. D'un point de vue gestion de FMP, la Flow Management, donc gestion de la charge de secteur de contrôle, on est incapable de gérer ça si on garde pas un minimum des flux et des routes. Et de toutes les façons, on a des outils qui sont même pas forcément toujours capables de communiquer entre eux, entre le CRNA de Reims par exemple et le CRNA de Paris ou de Brest ou de Londres à côté. Donc en fait, c'est des contraintes à la fois techniques et méthodologiques dont il faudra venir à bout avant de pouvoir le faire. Mais c'est un objectif à long terme. Alors les outils, on en reparlera dans la vidéo numéro 6, qui vous expliquera René Feuillet tous ces outils. Et vous expliquera aussi justement ce que vient de dire un petit peu Romain, qui est basé à Reims. Pourquoi Reims n'est pas encore en free route airspace? Pourquoi Bordeaux l'est? Eh ben, on va le découvrir d'ici quelques instants. Alors, il y a des questions. Bastien, tu as répondu. Donc, pour semi-circulaire, ça ne change rien. C'était à Bastien que ça défile tellement dans le chat que je n'ai pas le temps de lire les questions. Qu'est-ce que tu as répondu à Norman, Bastien, qui posait une question sur semi-circulaire ou pas? Rien n'a changé en fait, parce qu'en France, de toute façon, on avait un système un petit peu particulier. On publiait une parité dans un sens de la route. Donc en fait, rien n'a changé, puisque la parité des routes publiée était déjà respectueuse de la règle semi-circulaire nord-sud qu'on applique en France, puisque la France est quand même majoritairement traversée en nord-sud. Donc voilà, après c'est... C'est vrai que nous, on est énormément nord-sud en France, à tel point que des trafics qui font un cap, on va dire, 250 dans Reims sont classés en impair. Alors que si on écoute la semi-circulaire de base, ils vont vers l'ouest, ils sont en paire. Donc Oui, en France, on est très très décalé là-dessus, on fait notre propre vie. Et en plus, on est à l'envers par rapport à d'autres pays voisins, type Maastricht ou, je crois, l'Espagne. Et l'Italie aussi. L'Italie probablement aussi. Ouais. D-Life, qui pose une question. Pourtant, ICAO, donc, ou ACI, accepte les déviations des pays. Si il notifie ICAO, non, oui, vrai, faux, Bastien, Romain, une réponse à D-Life. Alors, pardon. Alors, je repose la question. Alors, attends, parce que j'avais répondu. Je suis en train d'écrire en même temps à d'autres messages du chat. Oui, je sais, mais c'est pour les gens qui nous écoutent. Je ne comprends pas ce qu'il voulait dire par déviation de pays s'il notifie ICAO. Si, parce qu'en fait, l'OACI publie des règles, et ces règles, donc c'est ce qu'on appelle des SARPS, des standards and recommendations. Ah oui, d'accord, practices. Au niveau règles, d'accord. Voilà, au niveau règles. Donc en fait, là, voilà, ça n'a rien à voir avec l'OACI directement, c'est une initiative qui est européenne, comme il l'a précisé dans un message un petit peu plus loin. Donc c'est vrai que quand on a un point qui est purement OACI, la seule obligation qu'ont les pays membres, c'est de notifier les différences entre le standard mondial et ce qui se passe dans le pays. Tout à fait. Alors ensuite, là, pour le point réglementaire, ouais. L'OACI n'émet aucune réglementation, ils n'émettent que des recommandations. Voilà, c'est les SARPS. Ok. Mais il n'y a aucune règle OACI en tant que telle. C'est des recommandations que la plupart des pays suivent parce qu'elles sont globalement pas idiotes.
Mais c'est d'un point de vue légal, il n'y a rien qui est réglementairement applicable, émis par l'OACI. Ok, merci Romain. On va continuer avec les questions de Avatar. C'est Edouard, notre copain de Amiens. Est-ce que le FRA est la cause des désactivations des VOR et autres aides à la navigation? Alors, comme j'ai répondu, non, c'est pas directement lié. C'est aussi un autre programme. Alors, Avatar, si tu le permets, je vais répondre directement parce que le PBN, ça fait, on va dire, ça fait trop à écrire. Donc, je vais répondre directement. Oui, alors, D-Life vient de le préciser, en fait, hein, il parle de AirNav. On parle grosso modo, même s'il y a des subtilités, mais on parle de la même chose. En gros, là, on parle de l'omniprésence. Un, du GPS, et deux, pour ceux qui ont besoin de moyens redondants, comme les avions de ligne, du DME-DME. Donc en fait, les VOR sont en train d'être supprimés, ça c'est une chose, évidemment. On a même en France un calendrier de suppression. Ça n'a rien à voir avec les FRA pour deux raisons. La première raison, c'est que le point associé va rester, parce que sur tous ces VOR-là, on a certes un VOR qui va être supprimé, mais on a aussi un DME. Et donc le DME, les avions de ligne en ont besoin, puisque ils arrivent à faire une triangulation pour, enfin, c'est une capacité AirNav qu'ils ont, à partir de deux ou plus DME. Donc, on a besoin des DME pour continuer à faire fonctionner tout ça, parce que si jamais on a une panne du GPS, on ne peut pas se retrouver avec des avions de ligne qui ne savent plus où ils vont. C'est impossible. Donc, on est obligé de, faire en sorte qu'il y ait un moyen redondant. Donc, la redondance chez nous, alors en plus des centrales inertielles qui sont embarquées dans les avions de ligne, ben, la redondance chez nous, c'est le DME-DME. Voilà, donc a priori, rien à voir, donc c'est, attends, c'est qui l'a mis? Ah oui, c'est D-Life hein, qui dit c'est plutôt AirNav, voilà, c'est exactement ça, on est dans le PBN AirNav, ça n'a pas grand-chose à voir avec le FRA directement. Ok, autre question de Volarium, parce que ça défile, Volarium c'est Nicolas, si on veut tout réunir pour faire des FRA sur tout le pays, donc je pense la France, va-t-on réunir tous les CRNA en France Contrôle? Non, technologiquement c'est pas possible et socialement surtout non plus. D'accord. J'ai vu passer une autre question, donc Bastien a pas mal répondu. Norman qui nous pose la oui, question, c'est elle pour m'intéresse réduire... celle-là. Ouais, c'est pour réduire les consos carburants, les franons. Alors je vais laisser répondre Bastien et puis vous verrez, il y aura la réponse de René Feillet et ça va t'intéresser Bastien parce qu'il va parler justement de la réduction sur les FRA qui sont mis en place sur Bordeaux. Bastien, ta réponse à Norman. Alors Norman, je sais que tu es assez assez cultivé parce que voilà, tu es en train de préparer un examen aéronautique, enfin voilà, je donnerai pas plus de détails, mais je sais que tu vas exactement comprendre ce dont je parle. Les FRA, finalement, nous en tout cas à Bordeaux, très souvent, les avions sont autant en direct qu'ils peuvent l'être. Donc même une planification plus directe, en fait, ça changerait rien parce que en pratique, ils étaient déjà de toute façon en direct. Donc c'est pas réellement la consommation de carburant directe de l'avion. On va avoir affaire à un autre truc, c'est que les avions planifient la route prévue et ils doivent rajouter à ça une réserve de route, ce qu'on appelle la contingency en anglais, qui est égale à 5% dans le cas général, ou bien ça peut être réduit, mais le cas général, c'est 5% de la réserve de route. Et là, dans ce cas-là, ça va être intéressant parce que ces 5%, ils vont diminuer parce que la valeur totale de du nombre de nautiques pour faire la route va être diminué. Donc finalement, on va réduire l'emport carburant. Non, alors on va le réduire d'une part parce que la route est plus courte déjà, mais ça change pas tout. On va aussi réduire les réserves emportées et donc les avions vont pouvoir partir donc soit plus légers en carburant et consommer moins, soit remplacer le carburant qu'ils ont en moins par de la charge utile et donc avoir une charge marchande plus importante. Merci Bastien pour ces réponses et puis merci, on a pas mal de follow ce soir et merci au modérateur Nicolas qui répond parce que moi je peux pas écrire, je sais pas pourquoi, il y a toujours des problèmes ici, c'est une catastrophe. Robin, mon co-présentateur, des questions sur ce qui ne change pas et ensuite on passera vague. Je vais revenir sur la vidéo de René Feillet qui expliquait que l'un des changements éventuellement possible, c'était des changements de sectorisation, de limite de secteur, etc.
Est-ce qu'il y a eu de telles modifications sur dans ton Serena, Bastien? Et est-ce que Romain, question pour toi juste après, est-ce que toi c'est quelque chose de prévu pour quand Lufra arrivera chez toi? Alors, la réponse à Bastien d'abord, du coup. Ou Romain. Vas-y, Romain. Bastien, son micro coupé. Romain, alors, oui, moi, le FRA est censé arriver dans les prochaines années avec, du coup, les formations, les objectifs qui vont avec. C'est bien ce que tu demandais. J'ai raté le mot-clé de qu'est-ce qui était prévu dans les CRNA. C'est bien les. Robin, rapidement. Alors, ma question, c'était est-ce qu'il y a un changement de sectorisation qui est prévu en même temps que l'arrivée du FRA ou pas du tout? Parce que c'était une possibilité envisagée par René dans sa vidéo. Est-ce que c'est quelque chose qui va se produire terme, ou pas? À court terme, pas du tout. C'est-à-dire que nos secteurs, tels quels et tels qu'ils sont pensés, ils marchent quand même pas mal. Et l'objectif est quand même plutôt de construire le FRA autour de ces contraintes de secteurs qui marchent bien. Quitte à doucement derrière améliorer ce qui peut l'être quand on se rend compte qu'il y a des points d'amélioration. Mais un peu comme l'a dit Bastien tout à l'heure, malgré tout, le FRA, c'est quand même pas mal. En tout cas, pour le moment, une contrainte européenne. Et on le fait plus par contrainte que par réelle conviction. Donc on le fait avant tout pour leur plaire, tout en essayant de pas trop perturber nos méthodes de travail. Après, une fois qu'on se sera approprié le truc, qu'on aura des nouvelles technologies, d'un point de vue outils de contrôle notamment, qui nous permettront de mieux voir, de mieux analyser les points de conflit, la charge de secteur et compagnie. Évidemment qu'on va essayer d'optimiser le truc. Et on avait déjà pas mal optimisé, pas d'un point de vue découpe de secteur, mais d'un point de vue route. Avec le Covid et la baisse de trafic qu'il y a eu, ils ont fait beaucoup d'essais sur des routes de nuit, des directs donnés à travers tout quand on sait que les militaires sont pas là, qui rejoignent un peu finalement ce qu'on pourrait faire facilement avec du FRA si jamais on part dans cette direction. Bastien, une réaction à la question de Robin ? Déjà, la question de Robin, je la ponctue en disant que chez nous, le FRA est arrivé et rien n'a changé niveau secto. Voilà. La différence qu'il y a, c'est qu'on a certains points qui n'étaient pas tout à fait appropriés. Donc, c'est la cellule FRA qui n'a pas exactement les mêmes limites que nos secteurs. Alors, est-ce que les secteurs seront amenés à évoluer? Je ne sais pas. Notamment, un exemple flagrant, c'est que nous, le trait de limite de secteur doit passer du côté de Marseille. Il doit passer, je pense, à 2 nautiques du bord de Fréjord. Je pense, ouais, 2-3 nautiques. Et donc, comme Fréjord est un point massif d'entrée et de sortie chez nous, eh ben, en fait, Fréjord est à la jonction de la cellule FRA, alors qu'il n'est pas réellement exactement à la jonction du secteur. Donc si on parle d'un poil à la frontière avec Fréjord, par exemple, non, on ne va pas considérer ça comme un réel changement. Nos secteurs, comme l'a dit Romain, fonctionnent bien, en fait. Et d'autant plus qu'on n'a rien changé, en fait, avec le FRA. Les trajectoires et les endroits où se trouvent les avions, finalement, sont exactement les mêmes, vu que de toute façon, tout le monde était déjà en direct. Et que s'ils n'étaient pas en direct, on ne peut pas faire mieux. Parce qu'on a d'autres contraintes. Donc en fait, vu qu'il y a tellement rien qui a changé et qu'on avait des secteurs qui fonctionnaient bien avant, pour l'instant, il n'y a aucun besoin de changement de secteur qui soit lié intimement à la mise en place du FRA. Merci Bastien. Alors, moi j'ai envie de réagir, c'est-à-dire que quand on vous écoute, donc on a créé tout un système. Alors je rappelle que le contrôle aérien part de très très loin, etc. On a commencé par Reims d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Les fameuses routes qui allaient en Angleterre, c'est les premières lignes aériennes, c'était toujours Paris-Londres, Paris-Bruxelles, etc. etc. On planifie, on fait des routes et puis on s'aperçoit qu'on écoute les contrôleurs, et je vous invite à écouter Live ATC si vous ne le connaissez pas, vous donnez toujours des directs. Alors on a envie de se poser la question, mais pourquoi aujourd'hui on officialise ces free routes d'espèces en sachant qu'avant, les frais ouverts d'espèces en France qui sont là depuis le 2 décembre 2021, juste pour un petit rappel, en Italie, c'est là depuis 2017, il y a 5 ans en arrière. Alors, plusieurs questions. Pourquoi vous donniez déjà des directs? Alors, c'est vrai que les pilotes vous demandent, tiens, est-ce qu'on pourrait pas raccourcir? On est un petit peu en retard, etc. Et pourquoi aujourd'hui il faut officialiser? Première question. Deuxième question, pourquoi l'Italie est arrivée avant la France? Ils sont plus intelligents, c'est plus facile en Italie de faire des free route airspace ou que c'est la botte italienne par rapport à l'hexagone français? Qui veut répondre, Romain, Bastien?
Bah écoute, alors déjà la première question elle est facile, hein, donc pourquoi le free route toujours encore? Parce qu'on n'a pas eu le choix, parce que les avions effectivement à force de voler déjà sur les trajectoires qui étaient directes parce qu'on les donnait, il y a quand même une réelle interrogation de a-t-on besoin de leur faire planifier une route qui fait 15 nautiques de plus au final, alors qu'en fait ils seront mis en direct, autant leur faire planifier la route directe tout de suite. Voilà, donc là on avait une... on va dire, à la fois une contrainte et une volonté d'amélioration pour quelque chose qui était plutôt évident. Et ensuite, concernant l'Italie, là, j'ai envie de dire bêtement, j'ai aucune idée, hein, mais j'ai envie de dire tout simplement parce qu'ils s'y ont pris plus tôt. Il y a deux choses. Ouais, l'Italie s'y est pris plus tôt, et puis l'Italie a pris une solution alternative et intermédiaire qui consiste à mettre du FRA qu'au-dessus du niveau, si je me trompe pas, Stéphane, corrige-moi, 350. Ouais, 305. Ouais. 305. Ah oui, aussi. Ouais. Bon, bah alors, ouais. Du coup, j'ai inversé deux chiffres et mon argumentaire tombe à l'eau. Mais, demeure pas moins, malgré tout, que l'Italie est un pays qui, en été, voit énormément de trafic, mais qui est tout en longueur dans tous les cas, qui n'a assez peu de traversiers finalement. Ouais. C'est-à-dire que même, vous prenez un exemple d'un départ des grandes capitales de l'Europe qui vont vers la Grèce ou vers l'Égypte ou vers ces pays-là de Méditerranée pour les vacances. On va prendre Zurich, Londres et Paris, par exemple. S'ils traversent l'Italie, ça va quand même être plus ou moins du nord-sud. Et ça permet de faire vachement plus de freins. Le fait de ne pas avoir énormément de traversiers qui viennent perturber ce flux-là. Finalement, qu'on les fasse passer avec deux points de contournement pour des zones militaires ou qu'ils passent tout droit et qu'ils soient guidés en tactique si jamais il faut éviter quelque chose, ça change pas grand-chose. Alors que la France, on est vraiment... on a des flux qui se croisent dans tous les sens. Et si on fait passer tout le monde en tout droit, on change tellement tout que les secteurs des services ne seront pas les mêmes, mais les CCR des services ne seront pas les mêmes. Et on va changer énormément les secteurs qui chargent et les secteurs qui sont déchargés. Donc je pense que l'Italie, leur secteur... n'est pas, enfin, leur espace aérien n'est pas plus simple, mais se prête beaucoup plus à du fra que nous. Après, c'est une interprétation que j'en ai pas la confirmation. Hein, mais... ben, un dernier point qu'on peut évoquer, c'est tout simplement aussi les systèmes. Les Italiens ont des systèmes qui sont plus modernes que les Français. Et l'une des grosses limitations qu'on a rencontrées, en tout cas à Bordeaux, avec la mise en place du FRA, c'est que notre système, bon, pour simplifier notre système d'exploitation, de traitement des plans de vol, en fait, il n'arrive plus à suivre. On est vraiment au bout du bout du bout. Et il est en attente de remplacement. Ça va arriver chez Romain. Tranquillement. Oui, mais, ça arrive. Ça va être trop bien. Voilà. Mais, mais chez nous, en tout cas, on tourne encore sur l'ancien système. Et voilà, c'est vraiment c'est la misère d'arriver à le faire tourner. Alors, les dates chez Romain, on le verra tout à l'heure avec René Feuillet qui vous donnera toutes les dates. On va aller jusqu'en 2025 et on ira encore beaucoup plus loin. Ils travaillent, tous ces gens-là. Pour harmoniser, j'ai envie de dire, l'espace aérien européen et pourquoi pas dans le monde entier. La première vague, on va en parler tout de suite. La première vague. Alors attends, je vois des messages passer. Alors merci à toi Avatar, un gros bisou à Épauline, ta petite fille. Merci à toi d'être passé. Alors le live sera disponible évidemment. Il sera transféré, vous pourrez le voir pendant 15 jours sur la chaîne Twitch de MLN 208, et il sera transféré sur la chaîne YouTube d'MLN 208, certainement pendant le week-end. La première vague, comment ça s'est passé? Alors pourquoi la France n'est pas passée entièrement avec les free routes? Et ben, on va écouter Monsieur René Feuillet. Écoutez bien, montez le son, les garçons, pour pouvoir réagir après. Voici René Feuillet, la première vague. Géographique, la première vague, c'est ça. L'enroute 6.2 évolue avec toutes les routes qui disparaissent en espace supérieur sur la moitié, hein, pour faire simple, de l'espace aérien français, en espace supérieur. Avec tous les points verts, ce sont des points qui sont utilisables en free route, avec... entre parenthèses, le type de point, est-ce que c'est un point intermédiaire, un point d'arrivée, de départ, ou un point d'entrée et ou de sortie. Évidemment, si vous avez aujourd'hui une route à double sens, ça devient un point qui est à la fois entrée et sortie en limite de centre. Et on voit qu'on en a un petit peu partout.
toutes les restrictions d'utilisation de ces waypoints et les restrictions par rapport aux zones planifiées de la défense qu'on connaît se retrouvent donc dans le RAD, document de recontrôle, édité également tous les 28 jours comme les AIP. Voilà, une réaction, les deux contrôleurs aériens. Il a raison, M. René Feillet, le directeur du programme Free Out Airspace, de dire ça. Bah oui, oui. Bon. Globalement, il cerne assez bien la chose quand même. Oui, je pense, j'espère. C'est pas moi qui l'ai nommé. Alors, on a des questions. Ça va très, très vite, les questions. Alors, il y a Norman, notre mécanicien aéronautique, qui nous dit, comme Olivia, qui est toujours en panne, mort de rire. Et puis, y a-t-il des liens, question posée par Volarium, Nicolas, y a-t-il des liens entre les projets ex-Albatros ou autres et les FRA? Qui veut répondre? C'est ce que je viens de commencer à écrire par texte, hein, mais oui, mais il faut grosso répondre. Modo, il y a beaucoup de projets qui sont menés en parallèle, parfois en concurrence, mais toujours avec en tête ce qui se fait à côté, et pour aller piocher ce qui se fait de bien, ce qui se fait de moins bien, et pour oui, c'est toujours pensé pour interagir. Alors que ce soit des nouveaux outils développés pour pouvoir communiquer avec d'autres outils qui sont développés en parallèle si jamais les projets sont adoptés, que ce soit pour des projets de sectorisation, que ce soit pour des projets de gestion de charge, pour tout ça, c'est toujours développé avec en tête ce qui existe déjà, évidemment, les contraintes opérationnelles, et puis ce qui se fait d'autres à côté qui pourraient venir innover aussi. Ouais. Merci Romain. Autre question de Norman, il faut s'inscrire pour consulter les RAD, tout le monde peut s'inscrire. Oui, tout le monde peut s'inscrire d'ailleurs. Normalement, il y a un bot qui devrait vous balancer les liens par rapport à ce live Free Out Airspace et validation IFPS. Il n'en a pas balancé qu'un pour le moment. Je vous les balancerai tous d'un seul coup, tous ces liens. Et vous verrez, il y a un lien tout à l'heure que vous présentera René Feillet qui vous permettra de faire vos routes validation IFPS. Parce qu'il y a un problème sur... on va parler du réseau IVAO ou VATSIM. On va parler des deux réseaux principalement gratuits. Il y a d'autres réseaux, mais ils sont payants. Est-ce qu'aujourd'hui... parce qu'apparemment ça pose pas mal de problèmes. Est-ce que c'est applicable sur IVAO? Est-ce que les contrôleurs doivent faire une formation, enfin les contrôleurs virtuels doivent faire une formation particulière pour donner les directs? Ça se fait déjà, ça se fait pas? On en est où là? Je ferai pas de commentaire particulier au vu de ce qui se passe généralement sur l'un de ces deux réseaux que je m'abstiendrai fermement de nommer. Quand on est au point que les routes et les directs ont été construites, les secteurs ont été construits par-dessus, mais qu'on décide qu'on peut faire autrement en dessinant soi-même ses propres secteurs qui n'ont aucune cohérence avec les routes, j'ai envie de dire que quand on en est là, on peut aisément filer des directs et sans trop se poser de questions, surtout sur la formation des contrôleurs. Voilà, ça au moins c'est clair, net et précis. Romain, quelque chose à rajouter? Non, pas plus. Je me bats pas vraiment, enfin plus vraiment pour une sectorielle, parce qu'à chaque fois que j'essaie d'aborder le sujet, on a une technique de l'autruche qui est adoptée. Donc ça... Voilà. Robin, le co-présentateur, des questions sur ces... sur ce que tu viens d'entendre de la part de René Feillet, qui était la première vague. Tu as déjà posé toutes les questions que je voulais poser. Bah, tu en as bien une en cachette, non? Tu as bien une question. Moi, j'ai une question. Ah ben, vas-y, Dorian. Ah ben, voilà. Allez, c'est parti. Pour la première vague, justement, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en préambule de ma question de tout à l'heure, Steph. Il y a une partie de Brest, notamment au-dessus de Nantes, qui ne fait pas partie du Free Route. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou... Ah bah alors là, c'est pas une raison particulière, c'est que le projet est mis en place en plusieurs fois, histoire de déjà pas tout casser d'un coup si on se rate. Tout bêtement, hein, mais si on bloque tous les CCR français d'un coup parce qu'on se rate sur la mise en place des FRA, on va vraiment bloquer le trafic européen, voire mondial. Et on fait déjà suffisamment bien ça avec les greffes pour pas faire ça en plus quand on le veut pas. Donc oui, Brest, ils l'ont fait sur leur espace océanique, il me semble, pour l'instant, hein, corrigez-moi. Ouais, c'est ça. Leur espace
terrestre étant plus dense, plus complexe, avec des descentes, des montées, avec beaucoup de routes qui se croisent en pas beaucoup d'espace, comme nous à Reims et comme à Paris, pour l'instant, c'est temporisé, histoire qu'on essaye sur des secteurs plus grands, l'euro-océanique, sur des secteurs qui sont volontaires, comme Bordeaux, et puis doucement, ça va se faire petit à petit. En plusieurs phases. Alors, je pense que les vidéos de Stéphane y répondront beaucoup plus en détail, mais c'est le principe, quoi. C'est de pas tout faire d'un coup pour pas tout casser d'un coup. Voilà, pas tout faire d'un coup pour pas tout casser d'un coup. Ça, j'aime bien comme phrase, Romain. Il est 22h05. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une pause musicale parce que à chaque fois qu'on fait un live des invités, je leur demande toujours de choisir une chanson. Alors, les invités, c'est qui? Eh bien, c'est Bastien, notre contrôleur sur Bordeaux, c'est Romain, notre contrôleur sur Reims, et puis c'est aussi mon co-présentateur qui, lui, est sur la région parisienne. Alors, passer trois chansons depuis 3 minutes, c'était pas possible. Donc, j'ai fait un petit montage de ces trois vidéos, et puis on leur donnera la parole parce que le premier, bah, Sébastien, il a choisi une chanson, ça décoiffe. Vous pouvez commencer à pousser les meubles et puis à danser. mon copain Romain, il a choisi une chanson que j'aime bien. Et puis alors, j'ai découvert un nouveau style de musique avec mon copain Robin. Et on se retrouve dans 3 minutes et 30 secondes pour être très précis. Voici les trois chansons de nos invités ce soir. Bastien, Romain et Robin dans l'ordre. Wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. Tell you you're great. On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind.
Voilà, trois styles de musique complètement différentes. On va donner la parole à Bastien, Romain et Robin. Alors, Bastien, tu m'as choisi une chanson. Alors, moi, je ne la connaissais pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette chanson, Bastien, que tu m'as choisi, là, Enemy, je ne sais pas quoi, là, un truc terrible, ça. Ouais, mais c'est vachement bien, c'est Imagine Dragons. Ah oui, bah ça, en plus. Oui, bah oui, je me suis renseigné quand même. Hein, mais putain, mais ça décoiffe ça. Hein, Ah ouais, c'est ouf ça, dans la voiture, dans les bouchons, il n'y a rien de mieux. Ah, il n'y a rien de mieux. Romain, ah ouais. Toi, Romain, pardon, plus classique, hein, les fameux Blues Brothers, avec une reprise de Elvis Presley, le Jazz Rock. Ça colle bien avec toi, ça, Romain, je trouve. Hein. Il est là, Romain? Non, il n'est pas là. Romain, Romain! On a perdu le contrôle. Ouais, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah bah voilà. Alors... Je suis team années 80, moi, lunettes noires, un réservoir plein d'essence, un demi-paquet de clopes, sans synodique jusqu'à Chicago. Il fait noir et on porte des lunettes noires. Voilà. Bien et sûr. Puis, alors, moi j'aime bien. La première, ça m'a un peu décoiffé, hein, quand même. Bastien, je veux te dire, putain, j'ai eu peur. Hein. Et puis alors, toi, Robin, qu'est-ce que tu veux? Toi, Robin, tu m'as fait découvrir un style musical que je ne connaissais absolument pas. Et t'as découvert ça comment, toi? Alors, il faut savoir que c'est un groupe d'électro que j'apprécie énormément. Ah oui, ça, et ironie du sort, mes deux parents connaissaient ce groupe avant même de se rencontrer. Donc, c'est un peu de famille. D'accord. Ok. En tout cas, j'ai bien apprécié toutes les chansons que tu m'as envoyées. Je les ai écoutées à fond et je dois dire que j'aime bien. Donc, un grand merci à vous. Allez, on continue. La vue spéciale sur les Freewater Space et la validation du plan de vol espèce d'ici une quinzaine de minutes. On va accélérer le team. Bastien, prépare-toi. Augmente le son du live. On va partir avec René Feillet qui va nous parler de Bordeaux LF FRA. SW, ça doit te parler. Et puis, il va nous parler de Paris. Alors, accrochez-vous, il va nous parler de Paris. Alors, Paris, on l'appelle LF, FRA et C. C comme Charlie. Voici René Feillet. Il est ingénieur ENAC et puis c'est le directeur programme Free Route Airspace. Voici Bordeaux et voici Paris. Pour le CERN Sud-Ouest, donc, on est aussi avec une cellule avec beaucoup de points, beaucoup plus de points, ce qui s'explique parce que… Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Hop, c'est reparti. Pour le Serena Sud-Ouest, on est aussi avec une cellule avec beaucoup de points, beaucoup plus de points, ce qui s'explique parce que en dessous de la cellule Free Route de Brest, il y a surtout de l'eau. Donc, très peu d'aérodromes, donc très peu de points arrivée-départ, de besoin de points arrivée-départ pour orienter les flux. On a quelques aérodromes concernés. Ici, il y en a énormément. Donc, il a fallu garder beaucoup de points et aussi garder beaucoup de points, d'autant plus qu'il y a beaucoup de petits secteurs. Or, si on veut pouvoir orienter les flux pour les garder, les avions dans ces bons secteurs, on a besoin de points intermédiaires obligatoires. Donc, ça explique la différence. Et là, petit point, hein, comme je le disais, pour garder un design simple, l'espace monte du 195 au niveau 60, alors que dans cette partie nord, vous avez un secteur de Paris qui est en dessous, qui monte au niveau 265. Ce sont tous des avions qui sont à monter depuis la région parisienne et qui vont passer dans l'espace de Bordeaux. Et donc, on a décrit un seul volume qui inclut ce petit morceau d'espace de Paris, ce qui ne changera rien à la façon de gérer les vols entre les deux centres. On n'a pas changé les limites de centre ni les conditions d'échange. Là aussi, on va avoir un comparatif avant-après. Hein, ça, c'est la carte actuelle sur la partie gauche du Serena Sud-Ouest. Sur la partie droite, on a les possibilités offertes à la planification. Là aussi, c'est moins important, mais en distance planifiée, en écart par rapport à l'orthodromie, on a une baisse de 0,3%. On passe de 4,5 à 4,2. Dans les cas par rapport à l'orthodromie. C'est toujours un gain. Et enfin, la troisième espace qui est celui de Paris,
Alors, c'est d'abord un petit espace, hein, c'est un regroupement, hein, qui n'est pas très grand, un certain nombre de secteurs de la zone est de Paris. Il n'y a pas, contrairement aux autres, l'effet toile d'araignée avec des planifications partout. C'est un petit espace assez complexe, et encore une fois, le Serena Nord, lui, n'a pas d'environnement électronique. Hein. Il travaille toujours avec des strips papier aujourd'hui, tant qu'il ne sera pas passé en for flight, et le free route et les strips papier ne font pas bon ménage. Donc, il n'y aura pas d'évolution positive de la distance planifiée. Hein. C'est en fait quelque part une recopie en contexte free route des routes existantes. Mais ce choix avait été fait pour, je dirais, le passage à for flight de Paris étant un peu plus tardif que pour Marseille et pour Reims. On a estimé qu'ils avaient le temps de travailler un peu pour acquérir la connaissance et l'expérience de ce que c'est que le codage free route, de façon à pouvoir efficacement après travailler à la suite du programme. Donc, ce n'est qu'une première étape. Cet espace free route tout seul en soi n'a pas de raison d'être. C'est vraiment une étape dans le programme pour essayer d'avancer le plus vite possible après. Il est quand même terrible, ce René Feuillet, parce que Paris, il faut qu'il travaille un petit peu plus pour comprendre comment ça va se passer. Bordeaux, bah, il y a plus de points que sur Brest, parce que Brest, bah, ouais, évidemment, il y a pas mal d'eau, l'océan Atlantique. Bastien, une réaction à ce que tu viens d'entendre du directeur de programme des Free Route Airspace en France, c'est monsieur René Feuillet. Bordeaux, c'est compliqué. Paris, ils sont pas encore à... ils sont pas au taquet, Paris. C'est terrible d'entendre des trucs comme ça. Ouais, mais alors après Bordeaux, c'est compliqué. Nous, ça n'a rien changé. Hein. C'est pour les gens qui l'ont codé que ça a été compliqué. Parce que nous, la contrainte, c'était on voulait que rien ne change. On a des terrains sous notre FIR, on va pas fermer les terrains parce qu'on passe en FRA. Donc en fait, c'est le FRA qui doit s'adapter à l'existant. Et donc partant de ce principe, ensuite, il a fallu créer des points de départ-arrivée. Il a fallu coder correctement les trajectoires pour ne pas avoir des avions qui peuvent poser n'importe quoi comme plan de vol. Puis ensuite, une fois que toutes ces contraintes étaient réunies, eh ben... ça roule, hein. Il n'y avait pas grosso modo énormément de changements à faire. C'était du boulot pour la programmation, mais une fois encore, la salle n'a pas été très impactée. Ok, il parle aussi, René Feuillet, pour l'espace de Bordeaux, des points intermédiaires, si c'est bien retenu, c'est la lettre I. Ces points intermédiaires, tu t'en sers, Bastien, on l'a vu expliquer pourquoi les points intermédiaires étaient essentiels, changement de niveau, etc. Tu t'en sers aujourd'hui, toi qui es contrôleur aérien sur le centre de Bordeaux, tu t'en sers de ces points intermédiaires dans les free route airspace? Alors, je m'en sers non dans le sens où je ne les donne pas en direct, mais je m'en sers indirectement dans le sens où chaque modification de niveau que je fais d'un avion ou une modification de route ou voilà ce genre de choses, ben en fait, quand je saisis la modification, ça passe automatiquement par ces points intermédiaires. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Ils sont là et ils doivent continuer à exister tant qu'on n'a pas changé de système d'exploitation. Dernière question avant de donner la parole à Robin et puis à tous les invités. Pourquoi Paris est assez critiqué quand même par ce directeur du programme Free Route Airspace, René Feuillet? Pourquoi Paris est assez critiqué? Romain, tu te mouilles là? Pourquoi Paris est critiqué? C'est très dur. Pour rester politiquement très correct. Oui, voilà, restons politiquement très corrects. Paris, ils n'ont absolument pas les mêmes contraintes et les mêmes enjeux que les quatre autres CRNA. C'est-à-dire que Paris, leur boulot principalement, c'est de faire du préséquencement, c'est de mettre des avions à la queue leu-leu pour Charles de Gaulle et Orly. Et ça, ils savent super bien faire, et leurs secteurs sont pensés pour, et leurs méthodes de travail sont pensées pour, et ils sont ultra performants, quelles que soient les conditions météo, quelles que soient les contraintes. Par contre, pour faire de l'enroute pure, pour faire ce que tous les autres CRNA attendent finalement, parce qu'on a des contraintes d'enroute pure, à savoir des gestions de conflits à plat, des fins de montée, des trafics qui se rattrapent, parce qu'on est dans des couches où un 787, s'il prend Mach 78, il va nous engueuler. Il va nous dire, il y a un moment, je vais pas aller jusqu'à New York comme ça, vous trouvez une solution. Mais toutes ces contraintes-là que nous, on a, ils y sont beaucoup moins habitués, ils y sont beaucoup moins formés, et leurs secteurs sont pas du tout faits pour. Ce qui fait que généralement, dans tous les CRNA français, hors ATIS, du coup, on a souvent des incompréhensions avec ATIS. Sur pourquoi ils ont réglé tel problème comme ça, pourquoi est-ce que leur secteur, ils peuvent pas accepter tel truc qui nous paraît facile et pas méchant, parce qu'en fait pour eux ça va les faire chier,
ça va aller. Dans leur secteur, si telle demande que nous on a, qui nous paraît évidente, va rentrer en conflit avec 12 arrivées Charles de Gaulle, et ça va être ingérable. Et en fait, c'est principalement de l'incompréhension entre deux enjeux et deux méthodes de travail différentes entre les CRNA. Quoi. Okay. Et quand tu parles d'ATI, je suppose que tu parles de ATIS-MONS, si on est bien d'accord. Oui, hein. ATIS-MONS, Paris, non, parce, Paris Contrôle. Pas les gens confondent. Après, avec, la plupart du temps, ça se passe très bien. Hein. Et là, le directeur du FRA, en l'occurrence, est assez taquin. Mais grosso modo, le vrai problème qu'ils ont, c'est des secteurs qui sont pas faits pour le free route, ils sont faits pour du frais séquencement, ils sont pas faits pour de l'en-route. D'accord. Robin, mon petit co-présentateur, il faut réagir à ce que vient de dire René Feillet. Il a parlé de Bordeaux, il a parlé de Paris. Bordeaux, tout bien, Paris, un petit peu moins bien. Quelles sont tes questions, mon petit Robin? Je vais tellement réagir que je vais le citer. Il paraît que les strips papier et l'espace froid ne font pas bon ménage. Oui, c'est ce qu'il a dit. Tu en as parlé rapidement, Romain. Est-ce que tu pourrais redévelopper un petit peu plus à ce sujet, puisque tu es encore avec des strips papier, il me semble? Oui, grosso modo, le principe global du contrôle aérien au strip papier, c'est d'avoir des heures estimées sur des points de passage et d'aller regarder s'il n'y a pas un autre trafic qui passerait au même niveau à moins de 5 minutes sur ce même point de passage. Pour détecter les conflits, pour détecter les problèmes, pour détecter les problèmes de sortante, à chaque fois, c'est grosso modo 5 minutes sur tel ou tel point. Or, si on est en free route et qu'au milieu du secteur, il n'y a plus de points, ben nos estimés sur les points, ça marche pas bien du tout. Et on n'a pas du tout d'outils d'extrapolation de trajectoire, mis à part des vecteurs vitesse. On n'a pas du tout d'outils de détection de conflits à long terme automatisés. On n'a rien de tout ça avec du strip papier. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec du full électronique, qui connaît l'éclairance qu'on a donnée, qui connaît les vitesses des avions, qui connaît leur trajectoire, qui connaît les trajectoires qu'ils ont déposées aussi, donc avec des virages au milieu. Et en fait, c'est pour tous ces problèmes-là que nous, en strip papier actuellement, si on met tous les avions en direct à travers tout, on va se noyer parce qu'on va être incapable de gérer avec nos méthodes de travail actuelles et nos outils actuels la même quantité de trafic que ce qu'on gère actuellement. Le jour où on a des outils électroniques qui savent nous assister dans ce domaine-là, nous aider dans les analyses, nous isoler les avions qui risquent de vraiment gêner ou pas, le jour où on a tout ça, ça sera beaucoup plus facile et on peut tout à fait envisager des trajectoires beaucoup plus directes, beaucoup moins séparées les unes des autres. Pour l'instant, heureusement que les routes sont séparées et qu'on passe sur des points prédéfinis parce que c'est là-dessus que repose toute notre méthode de travail. Merci Romain. Une question, mais pourquoi aujourd'hui tous les centres ne sont pas comme à Bordeaux en électronique et pourquoi il y a encore des centres qui restent en strip papier? Ça paraît complètement, aujourd'hui on est au 3e millénaire, 21e siècle, ça paraît complètement incongru cette chose-là. Pourquoi il y a encore des, comme toi tu travailles en strip papier, Bordeaux, Bastia ne travaille pas en strip papier, mais pourquoi c'est pas uniformisé? Quelles sont les problématiques qui font que... Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Le premier, c'est beaucoup de politique, malgré tout. Que ce soit à l'échelle de CRNA, que ce soit à l'échelle de la DSNA tout entière, voire de la DGAC, voire des ministères au-dessus. Il y a beaucoup d'enjeux qui rentrent en compte. Après, très simplement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tout mis en même temps en électronique? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Pas tout toucher en même temps pour pas tout casser d'un coup. D'accord. C'est quand même assez cohérent. Si on met tout en toute électronique et qu'on s'est planté quelque part et que tout s'effondre, c'est quand même pas terrible. Ceci dit, après, le système sur lequel Brest et Bordeaux travaillent, à savoir l'environnement électronique Erato ou 3E, je pense que Bastien en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais à la base, il était pensé comme un système intermédiaire en attendant le système qu'on va avoir à Reims, hein, c'est ça pour sous peu, qui s'appelle 4Flight, qui depuis a pris 20 ans, a pris 20 ans, j'exagère, mais qui a pris énormément de retard, parce que ça marche pas, parce que c'était pas prêt, parce qu'on a des nouvelles demandes qui n'avaient pas été anticipées avant, pour plein de raisons. Et Erato à côté, qui est sorti, qui est mis en place, a été vachement amélioré, ce qui fait que pour l'instant, ils ont un système qui marche super bien, dont ils sont très contents, dont le seul vrai bémol, c'est qu'il repose encore sur l'ancien système de traitement plan de vol, qui date toujours des années 80, qui s'appelle Codra, sur lequel moi, avec mes strips papier, je bosse aussi. Donc ils ont toute une interface qui marche bien, avec beaucoup d'aides supplémentaires,
Mais à la fin, à l'intérieur, ça reste le même système de traitement plan de vol avec ses mêmes défauts. Et après, je ne sais pas si Bastien a plus à rajouter là-dessus sur Erato, sur pourquoi c'est bien ou pas bien. Je ne sais pas. Non, bah, c'est pas trop l'objet du débat. Donc, Oui. Okay. Mais grosso modo, à la fin, il y a des enjeux politiques derrière. Oui, il y a beaucoup de politique derrière. Mais je me contenterai de dire qu'Erato, c'est très bien. Voilà. Que le fondement du problème du FRA, c'est le système d'exploitation. C'est le COTRA, le problème pour le FRA. Okay, alors, c'est ça qui nous oblige à avoir tous ces points intermédiaires, en fait. Je vous coupe. Est-ce que vous pouvez expliquer pour les gens qui nous regardent Erato, j'entends Erato, COTRA, For Flight, est-ce que vous pouvez en quelques secondes expliquer Erato, COTRA et For Flight? Alors, en un schéma, je vais essayer de parler le schéma. On a anciennement le COTRA qui est composé du système de traitement des plans de vol et du système de traitement des inforadars. Le système de traitement des inforadars, il marche comme sur des roulettes. Il est royal. C'est l'un des plus perfectionnés. On le garde. Ce qu'on renouvelle quand on appelle COTRA le vieux système, c'est le système de traitement des plans de vol. Donc la nouvelle version que va avoir Romain à Reims du COTRA, qui est le système global, s'appelle For Flight. Pour être précis. Je parle du COTRA. Le COTRA, c'est CoFlight. Le système de traitement plan de vol, c'est CoFlight. Qui est inclus dans ForFlight, on change l'IHM. Oui, donc c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En fait, le COTRA, du coup, c'est ForFlight. Et donc, dedans, ce que nous, on appelle le STPV, le système de traitement des plans de vol, lui, il s'appellera CoFlight. Voilà, donc ça, c'est la version schématique de tout ça. Et nous, on a un habillage qui s'appelle Erato, par-dessus nos outils de travail, mais qui sont toujours l'ancienne version, donc le COTRA. D'accord. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Nico nous pose une question. Du coup, ce projet Free of the Space est subventionné par l'État, point d'interrogation, l'Union européenne, point d'interrogation, oui, non? Il n'est pas subventionné, il est sanctionné si on ne le fait pas, surtout. Il s'est sanctionné. Voilà, ça rentre dans les budgets ministériels, comme tous les autres projets qui concernent l'aviation civile en France. Ok. Allez, on va avancer parce qu'il faudrait qu'on parle aussi de la gestion des plans IFPS et on va essayer de terminer à 23h parce que je sais que toi, tu dois partir en soirée après. Les outils. Quels sont les outils qu'ont les contrôleurs ou pas forcément les contrôleurs? Quels sont les outils pour ces Free Out Airspace? Voici la réponse donnée par René Feillet. Je vous rappelle, c'est le directeur du programme Free Out Airspace. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a effacé tous les traits, quand on voit la carte de l'espace supérieur centrée, on voit bien, sans route, on voit bien qu'il est difficile d'imaginer ce qu'il est possible de planifier ou pas. Une fois qu'on a dit qu'il y a un document qui s'appelle le RAD dans lequel toutes les règles sont décrites, c'est une liste de fichiers Excel avec des centaines et des milliers de lignes. Donc pour un opérateur humain, c'est à peu de choses près inutilisable. Le fait est qu'aujourd'hui, quasi totalité des utilisateurs de l'espace, et en particulier de ceux qui passent en espace supérieur, font appel à des services de ce qu'on appelle en anglais les CFSP, les Computerized Flight Service Providers. Ce sont des services de distribution et de gestion des plans de vol, de création de plans de vol, ou directement, ou en vendant leurs algorithmes à des grosses compagnies. Une grosse compagnie va acheter le programme et l'algorithme à ce CFSP. Les petites compagnies vont être directement clientes du CFSP pour la gestion de leur plan de vol. Et malgré tout, à la mise en œuvre, il y a quand même une difficulté à interpréter le codage tel qu'il est fait dans l'espace pré-route pour pouvoir le transcrire en algorithme. En revanche, une fois transcrit en algorithme, c'est très efficace et ça fonctionne et ça débite du plan de vol du maître. Donc, nous avons créé un outil qu'on a mis à la disposition de tous. Il est sur le portail de la DSNA. Et c'est un outil de visualisation donc, quand on va dessus, donne déjà la sélection uniquement de la description tant AIP que RAD en avance de phase
Maintenant, c'est publié, mais on a pu depuis déjà le milieu de l'été le mettre à la disposition des opérateurs et des CFSP. Et d'autre part, ça permet après d'avoir accès à cet outil qui permet de visualiser toutes les trajectoires, mais aussi de trier les trajectoires. Pour ce faire, je vais passer rapidement sur le site. Est-ce que vous voyez le changement? Je suis passé sur le site. Est-ce que c'est visible là pour vous? Oui, très bien. Donc, c'est un outil qui fonctionne très simplement. Vous avez une carte. Vous voulez, par exemple, regarder les trajectoires, on va dire, de l'espace sud-ouest. Je les sélectionne, les voilà toutes. Ensuite, je veux évidemment, par exemple, dire voir de couleurs différentes les parités paires et impaires. Donc là, il y a du bleu et du vert. Et ensuite, je veux pouvoir filtrer, parce que là, on voit bien qu'on a quand même 1829 trajectoires sélectionnées dans les espaces du sud-ouest. Donc, pour éviter d'avoir à les prendre à la main, à la pince, à épiler une par une, essayer de comprendre ce qui se passe, on peut par exemple dire que je veux regarder tout ce qui part du terrain de Toulouse-Blagnac. Donc, je tape FBO et là, je vais zoomer dessus. Vous avez les 20 trajectoires possibles pour entrer dans l'espace free route, de connexion avec l'espace free route sud-ouest vers le nord-ouest. Voilà donc les trajectoires. Ça commence avec un point qui est le point Lacou. Ça tombe bien, c'est le dernier point du site au décollage de Toulouse. Donc, en fait, c'est très simple. Hein, vous planifiez votre site et ensuite, les descriptions, elles sont là. Vers le nord, on les a aussi. Vers le nord-est et vers l'est, on les a aussi. Vers le sud-est et vers le sud, on voit bien que le point de connexion, en fait, c'est directement le point frontière avec l'Espagne. Et vous avez en dessous la liste et avec les conditions d'utilisation, je dirais de manière parfaitement compréhensible en langage relativement clair. Et donc, pour vous aider à trouver la bonne planification. Vous pouvez aussi cliquer directement sur la carte en disant par ce point, le point Galof qui est à la limite avec Brest, qu'est-ce qui est possible comme planification? Et là, vous avez la totalité des planifications en pair, en impair, etc. Et là aussi, encore une fois, quand vous êtes vous passez sur la liste des planifications possibles, vous avez à côté l'explication de ce qui est possible de faire. Est-ce que c'est H24 ou pas? Est-ce que c'est réservé aux arrivées vers tel terrain, etc. Donc, cet outil est accessible à tous moyennant l'inscription. Il suffit de demander un password et tous les opérateurs aériens peuvent l'avoir sans aucune difficulté. C'est le même que celui qui donne accès à l'autre site, si on revient, qui existe déjà sur le portail de la DSNA. C'est le site CDM, Collaborative Decision Making. Donc, beaucoup de compagnies le connaissent déjà, ce site. Évidemment, on a mis ça au même endroit. Voilà. Donc, je vais revenir sur la présentation. Ce site, quand même, est là pour justement aider les opérateurs à comprendre, mais aussi, je dirais, ça nous aide aussi à faire de la pédagogie, à expliquer, à communiquer. Voilà, une réaction, Bastien et Romain, il a bien parlé, le directeur du programme Freeroute Airspace, et ça correspond à ce qu'on vous a expliqué vous aussi. Ben ouais, il a tout dit, c'est très très bien. Cet outil a été développé par une personne que je croise au travail. Il est très complet, il est quasiment sans faille en fait, hein, pour l'avoir utilisé intensément à des fins de pour les vols de simulation que je fais sur X-Plane, il est quasiment sans faille. Il est quasiment sans faille. Et les sites qui vous sont communiqués sur le Twitch, donc n'hésitez pas, vous l'aurez compris, il faut juste vous inscrire, on va pas vous demander une licence de pilote, etc. Vous pouvez vous inscrire, et vous allez pouvoir planifier vos vols. Robin, une petite question là-dessus ou pas? Non, j'aurais des questions sur la suite, par contre. Eh ben vas-y, pose-les maintenant. Mais non, la suite. La suite, c'est quoi? C'est les prochaines vagues? Mais oui,
Eh ben, on passe tout de suite avec les prochaines vagues parce qu'on prend. Enchaîne, vas-y. On prend du retard. Les prochaines vagues parce que donc, apparemment, apparemment, aujourd'hui, on a Bordeaux, on a Brest et on a Paris, nous l'a dit René Feillet. Reims, on l'a pas. Marseille, on l'a pas non plus. C'est quoi les prochaines vagues? Eh ben, voici la réponse de René Feillet. Je passerai plus rapidement sur les vagues suivantes, puisque évidemment, on est plus loin de la mise en œuvre et pour certaines, on n'a pas encore le design détaillé. La deuxième vague, ce sera une extension justement de la cellule nord-ouest de Brest à deux secteurs, le secteur J et N, donc au-dessus de Jersey et Nantes. On voit bien là aussi la différence entre la possibilité de planification de route actuelle et le foisonnement de planification directe qui sera proposé. Ce sera encore une amélioration. Nous n'avons pas encore fait l'évaluation. Il y a un travail d'étude assez long à mener pour être capable d'estimer le gain, mais il y aura encore un gain. Et ça, c'est prévu pour début 2023, parce que dans l'état actuel du STIP, là aussi, on attaquait une autre limite d'une table qui ne sera, je dirais, étendue que sur une version livrée fin 2022. Donc, ça explique pourquoi on a retardé la mise en œuvre et qu'il y ait une deuxième vague ici, une deuxième vague de mise en œuvre avec une extension quand le STIP, encore une fois, sera capable. On sera toujours en version COTRA au niveau du Serena West. La troisième vague qui, elle, va arriver fin 2023, eh bien, ça concerne Reims et ça concerne Marseille puisqu'ils doivent passer avec le nouveau système ATM for Flight en 2022. Et donc, ils seront prêts en 2023 pour une partie du centre de Reims et la partie sud, toujours 195 illimités, toujours d'espace supérieur. Ce sera prévu fin 2023. Fin 2024, on devrait avoir tout le nord-est cette fois-ci qui devrait être, y compris les espaces de Reims et de Paris, là où ils sont superposés. Pourquoi ? Parce que fin 2023, on devrait avoir Paris qui passe en for flight. Et donc, le fait d'avoir ces nouveaux systèmes, et en particulier CoFlight, le nouveau système de gestion de plan de vol, amène beaucoup moins de complexité dans la description dans nos systèmes d'un espace pré-route. Et l'extension complète pour Marseille à tout son espace supérieur en fin 2024. Et la dernière vague qui sera la troisième extension de la cellule nord-ouest à la partie ouest de Paris est planifiée fin 2025 et pour l'instant, on n'a pas encore les études détaillées. Pour plutôt illustrer sur une carte ce que ça donne, donc ça, c'est la mise en œuvre de cette année. Fin 2022, on aura aussi, ça ne nous concerne pas directement, mais c'est dans l'espace aérien français, le free route suisse, qui était initialement prévu cette année, mais qui a décalé d'un an. Donc, début 2023, l'extension, on voit bien l'extension de l'espace nord-ouest. Fin 2023, la partie est à Reims et la partie sud à Marseille. Fin 2024, l'extension à tout l'UIR de Marseille et une cellule unique qu'on essaye de construire, un espace unique qu'on essaye de construire. Donc, il va avoir des morceaux d'espace du Serena Nord et du Serena Est en même temps. Et la dernière extension pour fin 2025. Donc, notre objectif est d'avoir quatre espaces free route, quatre cellules free route pour couvrir tout l'espace français fin 2025. Ah, à toi, Robin, la parole. Alors, j'ai une question toute bête. On en a déjà discuté rapidement tout à l'heure, ces histoires de STIP, de for flight, etc. Mais globalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut vraiment pas avancer avec la version actuelle du STIP ? Alors, parce que le FRA, le free route, si tu veux, la notion de secteur, elle est plus nécessaire. Et notamment avec les nouveaux systèmes ATM comme for flight, en fait, on force le logiciel à raisonner en secteur, mais il n'y a pas besoin. Le logiciel, il n'a pas besoin de secteur pour comprendre comment ça se passe. Parce que le calcul de la route se fait de manière volumique, c'est-à-dire qu'il comprend en 3D où va se situer l'avion. Donc en fait, les secteurs, c'est juste un habillage. À l'inverse, sur le COTRA, donc nous, on est complètement dépendant des secteurs. Le COTRA, s'il n'y a pas de secteur, il ne sait pas quoi faire.
Et donc là, on arrive à une limite, c'est qu'il faut coder pour chaque route. Donc ces points ne sont pas publiés, évidemment. Mais il faut coder pour chaque route, pour chaque trajectoire, un point qui porte un nom à la jonction des secteurs. Et donc, si tu voyais le nombre de points invisibles, hein, qui ne sont pas publiés à l'AIP, évidemment, mais qui se sont rajoutés, nous, en interne, pour le COTRA, je pense qu'on a triplé le nombre de points qu'on avait. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, tout simplement là, il nous faut un système beaucoup plus moderne, beaucoup plus capacitif pour traiter autant de données d'un coup. Merci. Merci pour ton explication. Voilà, merci Bastien. On remercie Kevin qui va aller se coucher parce qu'il demain il doit arbitrer. Merci Kevin. J'ai pas eu le temps de te donner plus le temps de parole, mais qu'est-ce que tu veux, hein. C'est tellement chargé ce live, etc. Mais bonne chance à toi. Et... En même temps, je n'apporterai rien. Mais si, ben si, t'as plein de choses à apporter. Toi, t'es en formation à l'ENAC, etc. Présence, etc. Voilà. Et t'apporteras plus tard. Mais un grand merci à toi et encore désolé si je t'ai pas donné de parole que j'aurais voulu te donner. Et on doit aborder les validations des plans de vol IFPS. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi, Kevin. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur ce qu'on vient d'entendre de la part de René Feillet, le directeur du programme Free Route Airspace en France, et puis avec nos deux invités? Et je les remercie encore de prendre de leur temps libre. Romain et Bastien, est-ce que quelqu'un a une question poser avant qu'on passe à la conclusion de René Feillet? Vous allez voir, là, elle est assez terrible, sa conclusion. Et puis qu'on passe vite fait sur la vision des plans de vol IFPS. Est-ce que quelqu'un a une question? Sylvain, Dorian, Denis, Stéphane? Ou sur le chat? Moi, déjà, je vais lui dire bonsoir parce que j'avais muté mon micro parce que tu m'avais demandé. Et j'ai rien pigé, moi, de toute façon. Merde. C'est assez peu encourageant. Ça veut dire qu'on n'a pas été clair. Si. Le live sera redisponible. Denis, il est extraordinaire, quand même. Denis, je vous rappelle, on avait fait un live avec lui. Il fait des avions en carton et des aéroports en carton. On avait fait un live il y a quelques mois de ça. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube de MLN208. On va passer tout de suite. Et je ne voudrais pas retarder les invités parce qu'ils ont une vie privée. Volarium, t'as apporté mon... Ah oui, donc ça, on s'en fout, ils discutent entre eux. La conclusion de René Feillet, je vous rappelle, il est ingénieur ENAC. Il a été contrôleur aérien sur pas mal de positions en France. Et puis, bah, il a été convaincu par un gars qui devait être son supérieur de se lancer dans ce Free Route Airspace en France. Il était pas très chaud au départ, il y croyait pas. Et puis, bah, voilà, aujourd'hui, c'est lui le directeur. Et tout au long de la soirée, vous avez pu écouter ses commentaires. Voici sa conclusion, René Feillet, et puis on parlera vite fait et bien fait des validations de plans de vol IFPS pour Eurocontrol. René, c'est à toi la parole. Juste une anecdote, peut-être. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans les centres de contrôle, mais en concept classique avec des routes publiées, hein, bien sûr. Et il y a quelques années, j'avais énormément de mal à imaginer ce que pourrait être le free route. Le concept m'était relativement étranger et j'étais même dubitatif, je vais être totalement sincère. Et il y a quelques années, le Serena West a été le premier passé en environnement électronique avec le système 3E, mise en œuvre un peu délicate au début, mais ensuite le système a été stabilisé. Et un an après, le chef de la subdivision contrôle du Serena West m'a dit « Je commence à comprendre ce que c'est que le free route parce que depuis que mes contrôleurs travaillent en environnement électronique, là en un an, en fait, ils ont complètement changé leur méthode de travail. Et vu comment ils travaillent aujourd'hui, je pense que je comprends le free route et je suis d'accord pour essayer d'y aller, pour travailler dessus et on va avoir une proposition à vous faire. » Ça, c'était il y a à peu près... 4 ans, parce que de mémoire, je pense que Serena West a dû passer en 3E en 2016, 2015 ou 2016. Et c'était un peu plus d'un an après la mise en service de l'environnement électronique. Et c'est difficile, en effet, d'imaginer ce concept tant qu'on est
avec des strips papier, etc. Et moi-même, je n'étais pas une grande faculté d'imagination, j'étais très dubitatif. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est pas quelqu'un de l'échelon national qui dit qu'il faut respecter un règlement européen, c'est un cadre opérationnel d'un centre de contrôle qui est lui-même contrôleur d'origine, qui dit maintenant je comprends et je suis d'accord et on va y aller. Je me suis dit, s'il a fait cette révolution intellectuelle, c'est qu'on peut tous le faire. Alors, une réaction là-dessus, Bastien et Romain, ce gars qui est bien plus âgé que vous, qui doit avoir quasiment 25 ans, 30 ans de plus que vous, dubitatif, c'est quoi ces frais outer space, puis il s'est lancé dedans, il est à fond maintenant. Une réaction par rapport à ce que vous avez pu entendre? Finalement, il a dit avec des mots plus cadrés et plus clairs ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, à savoir que le free router space, c'est tout à fait viable et tout à fait valable quand tu as les outils qui vont bien pour le faire. Et à Bordeaux, ils l'ont, à Reims, on l'a pas encore et ça va venir. Mais oui, à terme, évidemment. Enfin, si les outils suivent, ça peut être un concept qui est ultra intéressant. Merci Romain. Bastien, ta réaction par rapport à ce que vient de dire René Feuillet? Tout pareil, hein, rien de particulier à rajouter. Voilà, on peut comprendre qu'on est sceptique au début, mais ensuite, quand on voit qu'une mise en place se passe bien, ça peut aboutir à d'autres idées. Et là, le FRA a été la succession de l'environnement électronique. Donc, ouais, go! Est-ce que vous avez été sceptique au départ quand vous en avez parlé, parce que vous êtes des jeunes garçons, vous êtes de la vingtaine, entre 20 et 30 ans, est-ce que vous avez été sceptique quand vous en avez parlé, ou vous avez dit « ouais, super, c'est génial ce truc-là » Comment vous avez réagi? Non, pas super, c'est génial, mais « ah tiens, on n'a pas le choix, ah tiens, ça va être fait comme ça, bof, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. » Pareil pour toi. On est presque même trop jeune en fait pour avoir le recul nécessaire pour être sceptique. On n'est pas là depuis longtemps l'un comme l'autre. Et finalement, moi j'ai à peine fini de m'approprier. Et encore, c'est très vite dit, les méthodes de travail actuelles de mon CCR, si elles sont amenées à changer, bon bah finalement, très bien, je vais m'y faire. On verra. J'en suis pas à 20 ans avec du recul et de l'expérience pour pouvoir dire ça va marcher ou ça va pas marcher. Moi, je fais confiance aux gens bien plus performants que moi pour dire ça va marcher. Bon, bah ok, on va essayer du coup. Alors, ça va être plus compliqué qu'avant ou plus facile qu'avant? Non, le free route, ça change. Ça, on l'a dit tout à l'heure, mais d'un point de vue méthode de travail ATC, dans l'état actuel des choses, ça change rien pour nous. Ça change rien pour vous, quoi? Non, d'accord. Une dernière question que je pose au contrôleur avant de passer aux validations des plans de vol IFPS. C'est quoi la question que je voulais poser? Oui, je sais plus. Donc on va passer directement à la validation des plans de vol IFPS. Ouais. À moins que Robin, tu aies une question à poser, ou tous ceux qui sont dans le Discord ce soir, si vous avez une question à poser à Bastien et Romain, n'hésitez pas, ou dans le chat aussi. C'est tout pour moi, mon capitaine. Oui, mon capitaine, c'est moi le capitaine. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Voilà, oui, une question que je vais te poser, Bastien, je viens de la retrouver. Pour aujourd'hui, tu n'as plus de strip. Pourtant, tu as appris à l'ENAC avec les strips. Mais demain. Si demain, tu devais passer en strip, tu serais encore capable ou tu serais complètement largué? Non. Enfin, si, je retrouverais les... Disons que les bases, elles y sont. C'est-à-dire que quand j'autorise un niveau, j'aurai la présence d'esprit d'écrire ce niveau. Quand je donne une directe, j'aurai la présence d'esprit d'entourer, je sais pas, ou de souligner, ou de faire un truc. Le point, en disant que j'ai pas tout perdu, mais je n'aurai plus aucune rigueur et plus aucune méthode de travail béton telle qu'on les avait à l'époque. Allez. Et la même question pour toi, Romain. Toi, tu travailles en strip. Est-ce que ça te fait peur de passer en comment vous appelez ça, en contrôle électronique, c'est ça le terme? L'environnement électronique. Environnement électronique, ou est-ce que ça te fait pas peur du tout et tu as envie vraiment d'y aller, Romain? Et bah, de toutes les façons, ça va pas tarder, parce que c'est prévu pour avril. Bah oui, il l'a dit. Hein. Et puis, non, moi j'ai plutôt envie. J'ai plutôt envie parce qu'un système un peu moderne, un peu révolutionnaire, hein, qui va en tout cas va nous aider grandement sur des trucs qui pour l'instant nous prennent beaucoup de temps. Ouais, évidemment, j'ai envie de voir. Hein. Moi, je suis plutôt positif là-dessus, même s'il y a encore des points à éclaircir et à finir de peaufiner, on va dire. Mais
Mais oui, c'est quoi ça, le strip, strip, je sais pas quoi. Hein. Strip papier, c'est une petite bandelette de papier sur lesquelles on a la plupart des infos concernant un vol. Et actuellement, à Reims, on bosse avec des tableaux de strip. Alors, je vais te remettre une photo dans un canal photo. Après ça, on en a déjà parlé plusieurs fois en live. Du coup, je vais pas me réattarder là-dessus en vocal maintenant, mais je vais remettre une photo, ça permettra de voir un peu. Voilà, et puis pendant que tu mets la photo, okay, je voudrais passer quand même deux photos que m'a envoyé Bastien. Bastien, la première... Mais c'est plus la peine, parce que je savais pas en fait, mais on les a vues. On a vu, ça avec la démonstration de... Ok, voilà. Bon, je voulais quand même faire voir les photos. Tu m'as envoyé une première photo, c'était dans l'an, fait pas que je me trompe, etc. Brièvement, en 30 secondes, explique-nous la première photo que tu vois à l'écran, Bastien. Ben là, j'ai mis les départs arrivés de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Alors, tu peux expliquer départ arrivé s'il y a du bleu, il y a du vert, pour ceux qui ne savent pas. Oui, non, mais bleu, c'est tout ce qui va être en niveau de vol pair, et vert, c'est tout ce qui va être en niveau de vol impair, en l'occurrence. Donc ça, c'est depuis Bordeaux, c'est ça? Voilà, c'est ça, depuis Bordeaux. Ok, et puis la deuxième photo, donc on a du violet ou du magenta, vous l'appelez comme vous voulez, qui apparaît. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est une trajectoire en particulier, donc en l'occurrence, la trajectoire qui fait Bordeaux-Lyon. Voilà, pour montrer en surbrillance comment ça se présente sur le site. Mais une fois encore, le monsieur a tout expliqué hein, du site internet. Donc, Ah bah oui, bah dis donc, c'est le directeur voilà. De l'Outerspace. Hein, tu peux passer à la suite. Je peux passer à la suite, merci Bastien. Alors, la suite... L'autorisation. Finir en 9 minutes. Validation des plans de vol IFPS. Donc souvent, les gens qui font du vol, on va se ramener un petit peu dans le monde virtuel sur IVAO, sur VATSIM, les deux réseaux principaux gratuits. Alors, c'est pas obligatoire hein, d'avoir une route valide IFPS. Alors déjà, première question, IFPS, anciennement CFMU. IFPS aujourd'hui, ça veut dire quoi, Bastien, Romain? Initial Flight Plan Processing System. D'accord. Et qui s'occupe de ça aujourd'hui? C'est Eurocontrol qui l'a en gestion. D'accord. Les grandes compagnies ont des dispatchers, évidemment. Donc les pilotes d'aujourd'hui, bah, ils volent. Mais bon, ils ne font pas leur plan de vol. Ils ont des dispatchers qui s'occupent de ça. Ah oui, hein, évidemment. Alors, les validations de plan de vol IFPS, ça veut dire quoi? Pourquoi le plan de vol doit être conforme? Voilà, il y a des heures apparemment, il y a des jours, il y a des machins, il y a plein de trucs. En quelques mots, les garçons, Bastien et Romain, expliquez-nous la validation des plans de vol IFPS et puis posez vos questions à nos invités. Alors, s'il faut résumer rapidement, oui, rapidement. On a deux choses qui doivent être valides. D'une part, la route, d'autre part, la tranche horaire. La route, c'est l'IFPS qui s'en occupe. Donc, lui, il va vérifier qu'un avion qui va d'un point A à un point B passe bien par l'endroit où on veut qu'il passe. Parce que nos secteurs et nos routes ont été construits pour qu'une certaine logique de contrôle soit respectée. Et donc, on va s'assurer que l'avion passe bien par là où il est censé passer. Donc, pour ça, il y a des contraintes, les contraintes RAD dont le monsieur a parlé tout à l'heure. Exactement. Il faut les respecter. L'IFPS va s'assurer que tout est respecté. Une fois que c'est fait, on va s'assurer que, en fonction du niveau de vol et de la trajectoire de l'avion, puisque maintenant, on l'a forcé à passer à un endroit, donc on connaît les secteurs qu'il va traverser. Et donc, à partir de là, on connaît le secteur, on connaît le niveau. Et donc, on sait combien d'avions il va y avoir en même temps dans le secteur. Et donc, la prochaine chose qu'il va falloir vérifier, c'est la charge des secteurs. Si un secteur est trop chargé, il va y avoir une régulation. Et là aussi, c'est Eurocontrol qui va poser un créneau. Concrètement, la validation et le créneau, ça se passe comme ça. Ok. Romain, qu'est-ce que tu nous rajoutes à ce qu'a dit ton homologue? Tiens, j'aime bien ça. Oh, voilà. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Après, éventuellement, on peut donner 2-3 sites qui permettent de générer et de valider les routes qu'on crée pour le SIMU. Mais sinon, le principe même de validation, il a tout dit. Il a tout dit. Alors, les sites, malheureusement, je ne peux pas vous les envoyer. Je vais vous les donner. L'AIP France, c'est le SIA Aviation Civile-gouv.fr. Vous y retrouvez toutes les cartes officielles. Le RAD, vous le retrouvez sur le site
Eurocontrol, le DGAC, vous retrouvez sur le point www.ecologie.gouv.fr, direction générale, aviation civile, etc. La DSNA, la direction direction des services de la navigation aérienne, vous le retrouvez sur le point toujours ecologie.gouv.fr, contrôler aérien. L'ENAC, pour ceux qui souhaitent devenir contrôleur aérien, eh bien c'est le point le site enac.fr. Eurocontrol, c'est eurocontrol.int. L'Eurocontrol IFPS, alors c'est un peu plus compliqué, ça c'est System Integrated Initial Flight Plan Progressing System. Le CDM Portal, donc ça c'est un site qui vous permettra, quand vous serez enregistré, eh bien de pouvoir aller voir les free route airspace, choisir en fonction de l'aéroport, quel point d'entrée, quel point de sortie, etc. Vous allez voir, c'est hyper rigolo. Les FraView, c'est toujours sur le point fradsna.fr. Et enfin, une vidéo que je vais présenter tout à l'heure qui s'appelle « Une révolution dans l'espace aérien de free route airspace » dont René Feillet nous a parlé. Vous le retrouvez sur la chaîne YouTube. Vous tapez tout simplement Révolution Espace Aérien Free Route Airspace et vous trouverez la vidéo dont je vous ai montré quelques extraits. 22h56. On va se quitter dans 4 minutes parce que je sais que toi, Romain, tu dois aller faire une fête, d'après ce que j'ai compris. C'est ça, Romain ? Oui, nous fêtons la qualification d'une élève. Ah, bah ça, c'est cool. Enfin, d'une plus élève, du coup. Alors, les dernières questions, mon co-présentateur que je remercie parce que c'est grâce à lui qu'on a fait cette émission. Un jour, il m'a écrit, on était encore en 2021, il m'a dit « Steph, qu'est-ce que t'en penses si on faisait une émission sur les free route airspace et la validation des plans de vol IFPS ?» Bah, je lui dis « Bah oui, évidemment, pourquoi pas, on va le faire. » Un grand merci à toi, Robin. Les dernières questions, Robin, vas-y, il nous reste quelques minutes. Mais moi, je vais faire un peu de lien entre tout ça. Quel lien entre le FRA et l'IFPS ? Ah bah ça, c'est une bonne question. Eh bien, alors, qu'il a fallu... En fait, l'IFPS lit le RAD, concrètement, et vérifie la conformité. Donc, le lien, c'est le RAD. Parce que le FRA a nécessité une modification totale du RAD, puisqu'avant, on parlait de route. Maintenant, on parle de trajectoire. Il a fallu totalement reformuler les contraintes. Et donc, l'IFPS, quand il lit ses contraintes pour comparer avec le plan de vol qu'il doit valider, en fait, le lien, il est là. C'est le RAD, le lien entre l'IFPS et le FreeRoute. Voilà, merci Bastien. D'autres questions, Robin ? Il vous reste 3 minutes pour d'autres questions. Il vous reste 3 minutes pour d'autres questions. Moi, c'est tout. Je laisse la parole à toi. Toi, c'est tout. Sylvain, Dorian, Denis ou Stéphane, avez-vous des questions à poser ? Il vous reste 2 minutes. Oui. Moi, j'ai une petite question. Ah merde. Vas-y, Dorian. Ok. On a parlé du FRA en espace supérieur, donc au-dessus du 195 jusqu'à. Hein. Est-ce que c'est possibilité, est-ce que c'est envisagé ou pas du tout de faire du FRA en dessous, c'est-à-dire en dessous du 195 ? Alors oui, c'est envisageable, comme l'a spécifié Norman tout à l'heure dans l'un de ses commentaires. Alors déjà, un, il faut tout refaire parce que les zones militaires n'ont pas les mêmes contours. Deux, le réseau de points est totalement différent. Trois, il faut rechanger la position des points de transfert avec les approches, puisque du coup, l'avion ne descend pas à la verticale. Donc en fait, c'est pas au même endroit qui passe du supérieur à l'inférieur qui va passer de l'inférieur à l'approche. Donc il faut redéfinir un réseau de points. Et ensuite, surtout, alors certes, ça peut améliorer les trajectoires, mais en inférieur, plus on descend, plus on va s'approcher du sol. Et donc, qui dit sol dit qu'on va avoir des contraintes de relief. Et là, on va avoir des petits problèmes parce que les routes, parfois, elles passent. Alors, en France, on n'est pas trop concerné, mais je pense notamment à des airways. En inférieur, on parle d'airways. Et je pense notamment à plusieurs airways qui traversent les Pyrénées où, si tu autorises la planification en direct, nous allons avoir un sacré problème. Donc, à certains endroits, je pense, les routes seront encore indispensables. Cette notion d'airway, en fait, de couloir protégé, ça va encore garder tout son sens. Au-dessus des Pyrénées, on a aussi de la cohabitation avec les planeurs et des activités loisirs dans ce qu'on appelle la LTA déclassée.
qui est de classe éco. Donc voilà, on a tout plein de problématiques en inférieur, que ce soit le relief, les jonctions avec les approches, ou bien la mixité des activités, on va avoir énormément de, on va avoir énormément de contraintes. Alors, par rapport à... excuse-moi, Dorian, par rapport à ce que dit Bastien, donc vous avez compris, j'ai fait des extraits de la vidéo qui dure plus de 2 heures. Une révolution dans l'espace aérien. Tapez sur YouTube. Une révolution dans l'espace aérien. Vous aurez une vidéo qui dure plus de 2 heures avec René Feillet. Et ce que a dit Bastien et la question qu'a posé Dorian, bah oui, vous verrez que d'ici... Allez, on va aller très très loin. On va aller en 2029-2030. Oui, l'espace aérien inférieur sera aussi concerné par les free out airspace. Malheureusement, j'ai pas pu tout découper parce qu'autrement, on serait encore là jusqu'à demain matin. Mais allez voir cette vidéo, elle est hyper intéressante et normalement, eh bien, tout l'espace aérien français devrait passer en free out airspace, aussi bien l'espace supérieur que l'espace inférieur. Dorian, si tu as un truc à rajouter, n'hésite pas. Non, mais du coup, t'as répondu à ma question. Ah bah oui, bon. Mais moi, je suis terrible. Rapidement, Denis. Denis, on avait encore une rapidement. Oui, Denis, rapidement, avant de terminer, parce qu'il est 23h01. On déborde toujours dans la team. Hein. C'est un truc terrible. Oui, parce que je ne sais pas si j'ai remarqué ça, parce que je suis en Bretagne, et là, il y a les free route et airspace. Et j'ai trouvé que les avions, parce que je regarde souvent les avions dans le ciel, et je trouve qu'ils ont plus les mêmes directions qu'avant. Plus les mêmes directions, c'est certainement plus le Covid que le fera. Non, mais il a tout à fait raison. Ça te fait marrer, Stéphane, mais non, c'est vrai sur toute la ligne. C'est plus probablement des changements d'habitude de contrôle liés à la baisse du trafic. Parce qu'il y en avait un que j'avais l'habitude de voir avant passer, et je le vois passer par plus loin. Parce que je les regarde et sur Fly Radar, je regarde. Et ouais. Avant, il passait juste au-dessus de Guingamp, et maintenant, il est vraiment au-dessus. Ah, c'est probablement ce que disait Bastien, à cause du Covid, que des directs qui n'étaient pas donnés avant ont l'habitude maintenant, enfin, sont donnés plus facilement. Quoi. Ah, d'accord. C'est probablement plus ça que le free route en lui-même. Ouais, après. C'est plus le Covid que le fera. Allez, une dernière question, si tu voudrais qu'on réponde à D-Life. Je vous rappelle que D-Life.fr, oui, bah oui. Il est streamer PPL et autres que PPL, etc. Pilote IFR, ME, et je t'en passe, c'est des meilleurs et qui convertit tout pour l'Europe. On peut imaginer une clairance avec un waypoint et une MEA donné au pilote. Il a oublié le point d'interrogation. Oui, non, vrai, faux, true, false. Non, mais c'était juste un constat, je pense. Hein. C'était pas une question qu'il posait. Il disait, oui, on peut imaginer une clairance avec un waypoint et une MEA. Voilà, c'est envisageable, mais pour moi, là, on arrive à la limite des choses qui sont trop complexes à mettre en œuvre. Voilà. Ok. On va terminer là parce qu'il y a une soirée pour l'ami Romain. Un grand merci à vous, Romain et Bastien, d'avoir dédié de votre temps, de votre vie privée pour répondre à toutes ces questions. On a été à un moment donné plus de 25 personnes à regarder le live, donc un grand merci à vous tous. Merci à Norman qui a énormément posé de questions comme Volarium. Merci à toi, Robin. Mon petit co-présentateur, si tu as une petite question là, avec grand plaisir, vite fait, bien fait, à nous poser avant qu'on pose la traditionnelle question des fins de live de la team MLN 208. Robin, une dernière question, vas-y, allez, une dernière question, vas-y, tu la poses. Une petite question. C'est bien, il vient de dire que Romain doit partir et il dit à Robin, pose une question. Ben, c'est ça, j'adore. Non, mais oui, mais Romain, vas-y. T'inquiète. Non, je ne vais pas t'enlever l'honneur. Je te laisse poser la question finale, Steph. Alors, la question finale, la fin de live, c'est quoi le programme de demain ? Alors, on va commencer par ordre, non pas alphabétique, mais ce que je vois dans le salon live stream. Robin N, mon co-présentateur, un grand merci à toi parce que sans toi, le live n'aurait pas existé. C'est quoi ton programme de demain ? On sera le samedi 19 février. Réveil 6h30, des informatiques. Et ensuite, j'ai rien prévu.
C'est bien. Et merci Norman d'être passé, qui nous dit merci à vous les gars. Apparemment, il a apprécié le stream. Il faut que tu remercies Bastien et Romain. Romain, c'est quoi demain? Toi, tu bosses demain. Toi, tu as travaillé aujourd'hui. Et bah, ça, oui, c'est bien. Demain, 15h, Reims Contrôle. Ah, Reims Contrôle. Probablement un petit groupuscule à l'intérieur de Reims Contrôle. Mais d'accord, bah, tu nous tiendras au courant. Sylvain, c'est quoi le programme de demain? Je sais pas encore. Eh bah, ben, t'as bien raison de pas savoir. Bastien, le programme de demain, toi, tu ne travailles pas parce que vous êtes en fantôme. C'est marrant cette expression, c'est-à-dire que quand l'un travaille, l'autre se repose, quand l'autre travaille, l'autre se repose aussi. Donc, oui. T'es en week-end, qu'est-ce que tu fous demain, Bastien? Je suis en repos, ouais, et ça va être promenade avec ma chérie, puis on va sortir le soir, et voilà. Ah, mais t'as une chérie, toi, en plus. Non, mais je le charrie. Bastien qui sera ici en Italie du 9 au 12 avril prochain. Il y aura des vidéos, il y aura des photos, vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Enfin, pas de tout, évidemment, hein, pas de tout. Dorian, mm-hmm. Le programme de demain, toi, t'es en week-end, tu fous rien, toi. T'as pas merci. Non, enfin, tu fous rien. Le week-end, t'es de repos, quoi. Alors, normalement, j'étais censé voler demain, mais peut-être que vu pas. Météo, vu le vent, ouais, ça... Oui, le ça vent qui est ton ami quand tu sais lui parler. Bon, sauf qu'aujourd'hui, évidemment, il y en a qui vont non, dire... Tu sais pas encore lui parler, hein. Bah voilà. Ouais, non, des rafales c'est pas ton ami. Non, ouais. Mais des rafales voilà. C'est pas mon ami, ouais. Donc, ouais. Mais après, vous savez, quand mon père m'a sorti ça, c'est que même si le vent, il est très fort, comme il y avait aujourd'hui dans le nord de la France et puis... En Angleterre, bah, le vent, il te dit, voilà, moi, je souffle. Alors, après, tu décides de ce que tu fais. Hein. Soit tu essayes d'atterrir, ou soit tu n'essayes pas d'atterrir. Allez voir la vidéo de Big Jet, elle dure plus de 3 heures, etc. 3 millions de vues, etc. C'est assez impressionnant. J'ai vu des commentaires passer assez intéressants. Certains m'ont dit, bah, quand l'avion plus des gros, plus c'est facile à poser. C'est marrant parce qu'il y a un A380 qui a posé, et puis l'autre, il n'a pas posé. Pourtant, ils sont tous des mêmes A380. Oh, bref, c'est comme ça. Ah, bravo Dorian pour ton classement. Il conclut le thème. Denis, c'est quoi le programme de demain, toi? La Bretagne. Bon, c'est tranquille, c'est pépère. Ouais. Le soleil, rien, soleil, rien à faire, quoi. Ouais, non, je disais à Dorian, bravo pour ton classement sur le Sky Team Tour. Oh bah oui, merci. Je suis pas premier, hein, mais merci quand même. Non, t'es pas premier, mais Stéphane et Patrick, on surveille ton truc, et puis lui, il est à 30, je sais plus. T'es surveillé, Dorian, t'as vu, t'es surveillé. Un grand merci à vous tous. Pour moi, le programme de demain, bah, c'est je vais travailler, puis en réalité, je travaille pas. Donc demain, c'est repos, demain, c'est grasse matinée. Enfin bref, la grasse matinée à 7h du matin. Je parle d'une grasse matinée, toi. Et voilà. Un grand merci à toi, Bastien. Un grand merci à toi, Romain, d'avoir dédié de votre temps. J'espère que ça vous a plu. Le live sera redisponible pendant 15 jours sur la chaîne Twitch. Et puis, on la transférera sur YouTube. Un grand merci à vous tous. J'espère que vous avez appris plein de choses. On a battu des records ce soir. Donc, merci à ces deux contrôleurs aériens qui font du bon boulot. Bon, ils travaillent pas beaucoup, hein. Ils travaillent pas beaucoup, d'après ce que j'ai compris. Mais quand ils travaillent, ils font vraiment du beau boulot. Et encore un grand compliment à tous vos collègues de l'UK, United Kingdom, qui ont dû en chier quand même pas mal aujourd'hui avec toutes ces remises de gaz suite à, comment vous l'avez appelé, Eunice. Ah, on dit pas Eunice, c'est Eunice. Non, on a dit Eunice depuis le début, c'est toi qui as tout déformé. Ah, mais moi je déforme. Eh ben, merci en tout cas pour l'organisation, Stéphane et Robin. Moi je vais me sauver maintenant. Bah, eh ben, sauve-toi. Sauvez-vous. Et puis, bonne sainte soirée. Eh ben merci à toi, voici la vidéo de fin pour remercier tous les gens qui font la team MLM 208. Merci Bastien, merci Romain. Merci à vous, on a appris plein de choses. Et merci à tous ceux qui sont passés, évidemment, dans le live. On va rester quelques instants avec les copains.
Dorian, tu peux envoyer un petit message dans le chat. Merci à vous tous, bon week-end, etc. Parce que moi, je peux plus écrire dans mon chat. C'est un truc horrible. Mais gueule pas, on va le faire. Ah bah moi, je gueule parce qu'il y a la musique derrière moi. À mon avis, les gens dans le live, ils ont dû avoir bien mal aux oreilles. C'est pas grave.